C'est parti. C'est parti. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Il y a des gens de partout en Amérique du Nord francophone. Donc, bienvenue à toutes et à tous euh, sur cette euh, formation-là euh, qui va traiter des poiriers. Puis des prunus. Les prunus, c'est les fruits à noyaux rustiques qui poussent, à peu, qui poussent ici au Québec. Puis, ben le printemps s'en vient. Quand les grands froids d'hiver sont passés, on peut commencer à tailler les arbres en commençant par les plus rustiques. D'habitude, je commence par les pommiers. C'est le fun parce qu'on peut laisser des tiges à terre, puis ça nourrit les lapins au lieu qu'ils bouffent euh, nos autres choses. Puis les lapins préfèrent des belles tiges tendres, pleines de bourgeons, plutôt que de manger, euh, de, de gruger des troncs de 15 cm de diamètre. L'année passée, presque à pareille date, Stéphane et moi avons parlé des pommiers euh, uniquement, mais maintenant, on va parler des poiriers et des prunus. Alors, on va parler de la taille, mais surtout de la formation. Ça s'adresse à des personnes qui commencent, puis à des personnes qui veulent se familiariser. Avec les techniques de base. On ne parle pas de production de grands vergers. J'aimerais souligner la présence de M. Stéphane Sobkoviak. Tu sais, Stéphane, tu es agriculteur, permaculteur, tu es un formateur magnifique. J'ai eu la chance de visiter ton verger. Tu une formation en biologie. Tu es concepteur, auteur, conférencier, tu donnes des conférences partout en Europe et en Amérique du Nord. Tu donnes un paquet d'ateliers. Tu as enseigné à l'Université McGill pendant huit ans, depuis euh, plus de quelques dizaines d'années. Maintenant, tu gères ton verger, puis en fait, tu as, as développé, tu as adapté un verger permaculturel à notre climat nord-américain, ce qui est exceptionnel. C'est une richesse que les gens ne pensent même pas qu'ils ont ici au euh, en Amérique du Nord. Stéphane, c'est une, une grande, grande chance, puis c'est avec beaucoup d'humilité puis de, de respect qu'on qu fait cette euh, rencontre-là avec Stéphane. Merci Stéphane. On est là pour vous aider. Le but de ce soir, c'est vraiment aider les gens parce qu'on voit, moi j'en vois pas autant que Richard sur le, le groupe Arbre fruitiers Québec, mais il y a beaucoup de gens qui commencent dans les arbres fruitiers, qui ont besoin d'aide. Et Richard, la, la quantité de, de temps qu'il passe à répondre, c'est énorme. Et l'idée un peu de ces, celle de l'année passée et cette année, c'est de pouvoir envoyer les gens pour écouter. Regardez ça. Commencer avec ça, ça devrait beaucoup aider les gens à, à savoir où aller. Euh, avec leur arbre fruitier, là, avec ça. Tu sais, des fois, les gens se demandent c'est quoi les motivations qu'on a de faire ça gratuitement puis de l'offrir au plus grand nombre. Tu m'as parlé du nombre de ce, que, ce à quoi tu rêvais. Est-ce que tu peux nous le partager? Ben, moi, ma, ma mission, on arrive à, à l'aboutissement. C'est qu'on ait 1000 personnes, 1000 hectares dans 50 pays, que les gens adoptent un modèle verger permaculturel. Ça peut être une forêt nourricière, ça peut être n'importe dans la variation, mais de faire des arbres fruitiers dans une diversité et de vraiment d'inviter la biodiversité, que ce soit les animaux, les plantes, mais surtout de s'éloigner... De l'idée que des arbres fruitifs, il faut mettre ça en rangée, il faut avoir toute la même chose. J'ai passé par là, j'avais un des plus grands vergers, euh, bio de pommes, et j'ai vu que ça ne marche pas. C'est un système qui est très malade. On doit intervenir énormément. On a maintenant, c'est quand même assez, assez bien démontré et adopté par au-dessus de 250 personnes qui ont démarré leur projet. Ça peut être aussi petit que six arbres dans leur cours, parce que je considère, là, avec deux trios, on, on a bien démarré, euh, ou ça peut être des centaines d'arbres ou sur des acres et des hectares. C'est ça, moi, mon rêve, qu'on puisse plus dire, ah oh, il faut faire des arbres fruitiers en monoculture. Non, 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 on n'a pas besoin. Et ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est un des aspects qui est la taille, mais justement, la taille ou... Euh, C'est plus ce qui était écrit dans les livres il y a 50 ans. Là. Ça a évolué comme beaucoup de pratiques et surtout, ça a évolué pour avoir besoin de beaucoup, de, beaucoup moins d'intervention. Comme disait euh, mon mentor là-dessus, Jean-Marie L'Espinasse, il disait tout le temps Serrez vos sécateurs. Serrez vos sécateurs. Parce que tout le monde pense qu'on va faire la taille, il faut couper, couper, couper. Mais on, va vous, on va vous montrer d'autres façons de faire. Et là-dessus, Richard, veux-tu veux démarrer? La première partie, on parlera des pruniers, des abricotiers, des cerisiers. Euh, on va toucher les poiriers aussi. On va aussi aborder ton projet du collectif 21. On va prendre les, les photos des gens. Là. Ils sont venus pour ça. On va y aller par personnes qui ont posé des questions. Daniel a posé une question. Daniel, tu es là, tu peux ouvrir ton micro, Daniel. Tu as planté un pêcher PF24C en 2021. On voit qu'il commence à être formé. En passant, malheureusement, il a fait moins 30. On en a déjà discuté. Même s'ils disent que c'est zones 6, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ben, il y a des variations de température. Hein? S'ils disent qu'on est dans une zone de moins 21 à moins 23 ou quelque chose comme ça, euh, ça, c'est la moyenne sur 30 ans des températures les plus froides, mais il y a un écart-type à ça. Puis là, on vient de pogner l'écart-type. On vient de pogner un ou deux écart-types froids. Ça arrive. Euh, probablement que nos pêchers vont être manganés. Ça, c'est ton pêché. Tu as un prunier Chiro qui est beau. Ce prunier-là, regarde Daniel, si je peux te suggérer quelque chose, ton lambe va, va vouloir pousser colonnaire. Tu veux lui donner une forme un petit peu plus ouverte tu n'auras pas grand-chose à enlever, surtout au début. Mais essaye de garder un axe central, puis essaye de répartir tes branches tout le autour de l'arbre. Il semble y avoir du soleil dans ton coin. Euh, tu me connais, un petit peu de carton en bas. J'ai vu qu'il reste un petit peu de carton, mais rajoute du copeau de bois en bas. Fais une belle petite boucle, là. Ça va éviter le désherbage, surtout pour les jeunes arbres. Ça va éviter la compétition des racines. Superficielle. La seule chose, veux-tu juste reculer, peut-être juste bien un sûr. commentaire là-dessus, parce que je vois que la tête a été coupée. Je ouais, pense qu'il y a eu un choix bien. de la tête. Un point là-dessus, quand on choisit une tête, pensez toujours choisir celle qui fait face au vent. Si vous avez le choix entre deux et un fait face au vent, gardez celui qui fait face au vent, parce que le vent va, va le redresser. Si vous gardez celui, qui, si vous en avez deux et le deuxième est en descendant et le vent va pousser dessus comme ça, bien, éventuellement, il, il va ouvrir ou il va plier encore plus. Ça dépend où. Si c'est pour la tête, on veut absolument qu'il fléchisse avec le vent. Mais si est, il est encore en train de monter, on ne veut pas qu'il plie trop tôt parce qu'il va réitérer vers le centre. OK, on a un prunier corps, Il est parti colonnaire, ton prunier. Choisir une tête. Si tu mets tes charpentières trop horizontales, il va vraiment réagir. Il va faire beaucoup de bourgeons floraux, c'est sûr, mais après ça, il va commencer à réagir, puis il va, il va faire des tiges partout. Mais tu pourrais, tu pourrais faire un bel angle de 45 degrés, mais commencer à l'ouvrir, ton prunier. Euh, c'est ce que je vois de, de plus important. Choisis une tête, puis le reste, puis en passant, les prunus. Une tige d'un an, deux ans, c'est cute à couper. Mais euh, des grosses tiges de trois, quatre, cinq, dix ans, l'arbre va réagir énormément en faisant de la gomose, puis il ne cicatrisera pas bien, puis ça va être le début de la fin. Fait que si tu as quelque chose à former, tu le formes. Si tu as deux têtes, puis il faut que tu en choisisses une, tu as choisi là. Que si tu as choisi dans cinq, dix ans, tu vas être poigné avec une fourche ma malsaine, puis quand, quand tu vas couper, euh, ça va réagir très, très mal. Un prunier réagit. Un pr une vieille branche de prunier réagit très, très mal à la coupe. Vois-tu, ça, c'est un abricotier scout. J'ai regroupé par personne. Donc, euh, là, je suis dans le fichier de Fred euh, Salès. Je vois ici, là, plein de charpentières à partir du même point. Exact. Exact. En Europe, ils font ça souvent. Ils n'ont okay. pas, pas de neige, ils n'ont pas de verglas. Ça va super bien. Un prunier, quand, quand tu as des fourches qui sont très aiguës, ça, je te dirais, ça fait comme un, un étranglement. Là, ton abricotier il a été planté, ça fait pas long. Il doit avoir deux ans, j'imagine. J'imagine. Il est planté en 2021, en 20 donc... Euh, oui, mais plus. moi, je, compte, je regarde toujours l'année de plantation. Voici une belle grosse branche ici qui veut devenir la tête. T'en as une, une petite ici qui fera pas grand-chose. T'en as deux minces, t'as ça. Euh, t'as combien de de neige chez toi? Au 50 moins centimètres. 40, 50 cm. 40-50 cm. Écoute, puis en passant, puis Stéphane, on en a déjà parlé, il y a autant de... On pourrait donner exactement cet arbre-là à 100 experts, puis tu t'arriverais avec 100 arbres différents. Je vais <laughs> te donner une opinion. Euh, Stéphane, peut-être, va te donner une opinion différente, puis les deux sont bonnes, là. Mais euh, moi, j'enlèverais les petites, puis honnêtement, je reformerais une tête avec ça, qui a plus d'allure, je redresserais ça, puis ton avenir est là, là. Puis je, quand je partirai les branches, je partirai à une certaine distance les unes des autres. Ça, ça fait un étranglement. Euh, personnellement, je trouve cette branche-là saine, puis encore là, c'est un abricotier. Là, c'est le oui. temps de couper quelque chose parce qu'après, ça cicatrisera okay. plus, ça va être fini. C'est soit, soit ça ou tu le gardes en bol, mais là, tu es, t es t à côté d'une petite piscine ou je ne sais pas. Euh, exact. Si tu le formes en bol, euh, ça se fait. S'il y a une grosse année de verglas, toutes les charpentières vont péter. Parce que tu vas voir, ton, ton abricotier, là, ça peut pousser de 1 à 2 mètres par année. Là. Quand c'est installé un abricotier, ça pousse. Euh, tu vas être surpris, il faut que tu tailles en verre un abricotier, là. sinon, il okay. va venir bien trop gros. Puis, ce n'est pas grave si tu plies la branche ou si tu la pas, ça fleurit sur une branche verticale, ça fleurit sur le bois de l'an passé. Okay? Ça fleurit en malade, un abricotier. Tu vois, le scout fait des belles fleurs roses. Mon avis, ben, je regarde ça, tu as deux choix, tu le formes en bol. Ça ne me tente pas parce que tu as déjà une charpentière pas mal plus forte que les autres. Tu peux ramener ça bien droite le plus possible, puis essayer de te refaire un arbre qui a de l'allure. Mais euh, je ne miserais pas sur des petites affaires pas trop fortes comme ça. Euh, Stéphane, qu'est-ce que tu en penses? Comme Richard dit, je garderai le plus fort. Alors, celui que tu as indiqué d'enlever, je ne l'enlèverai absolument pas, je garderai. Oui, redresser, parce que tu as le tuteur là. Attention pour ceux qui redressent, ceux qui attachent. Euh, attachez pas plus qu'une saison. Si tu le redresses là, à l'été, c'est-à-dire là, c'est l'hiver, tu as une saison, le printemps max. Au mois de juin, tu desserres un peu pour voir quest ce qui arrive. S'il reprend, bien là, tu lui donnes une autre saison. Mais n'allez pas, faites pas des, des arbres sur deux, trois ans. Parce que si vous attachez un arbre plus qu'une année, là, surtout plus qu'une saison, c'est-à-dire six mois max, euh, ce qui arrive, c'est que l'arbre commence à changer sa structure de cellules. Où ce qui est attaché? S'il est attaché juste là, Bien, il y a un arbre ici qui est rigide, puis il y a un arbre au-dessus qui est flexible. Et le point le plus dangereux, c'est juste là, juste au point d'attache. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des arbres de rue qui brisent lors d'un gros vent. Ils brisent, ils brisent bizarre, ils brisent à peu près à quatre pieds. C'est l'emplacement de l'ancien tuteur qui était là trop longtemps, puis l'arbre garde cette différenciation de cellules même après que le tuteur est enlevé. Donc, attention de ne pas laisser plus longtemps que six mois. Mais là-dessus, moi, je laisserais les deux plus basses, juste parce qu'ils ne sont pas grosses. Laisse-les comme on parlait aujourd'hui, Richard, avec les, le lapin les ou des mulots. Ça leur donne quelque chose. J'enlèverai les deux plus petits du milieu. Là. Ceux, ces deux-là, deux je les couperais juste ouais. au tronc, fait une coupe pour les deux. J'enlèverai je euh, ça. Comme il faut, ouais. Ouais, parce que je vois que si tu enlèves les quatre d'un coup, euh, j'ai vu par le haut, tu as, as déjà une belle poussée. Tu des poussées. Dès que tu montes au-dessus de euh, 14 pouces, là, 35 cm de croissance dans une année, tu as en masse de vigueur. Tout ce qui est au-dessus de ça fait que ton arbre il, il est un peu déséquilibré. Si tu n'as pas cette croissance-là l'année prochaine, ben là, tu peux enlever les deux autres du bas. Mais moi, j'aime aller par étapes parce que si tu essaies de tout réparer d'un coup, des fois, tu causes un déséquilibre. Puis ce que ça peut faire, c'est que si l'arbre est à veille de fleurir, ben les bourgeons à fleurs, ils sont dépassés par des bourgeons euh, végétatifs, puis ton arbre se remet à pousser, puis ça retarde la mise à fruit une ou deux années de plus. Un autre abricotier, Tilton. Écoute, celui-là euh, a une plus belle structure. On voit que les, les, les charpentières ne partent pas toutes du même point. On voit que l'arbre a pas mal choisi ça comme sa dominante. Il y a un petit peu de mélange à faire, pas grand-chose. Moi, je ferai attention à la compétition que cette branche-là veut faire à la tête. Possiblement qu'en la pliant, ça va la ralentir, ça va la mettre à fruit. On veut vraiment on veut vraiment qu'il qu y ait une dominante, que ce soit celle-là. Il y a un petit peu de nettoyage. Toutes les branches fines, comme cette petite-là, celle-là, 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 j'enlèverais ça. Puis je répartirais, mais tu sais, si on regarde l'arbre de haut, je répartirais les charpentières en X là, pour essayer de, de les écarter les unes des autres. On leur donne un petit angle de plus euh, avec du poids, mais on voit vraiment qu'il y a une compétition à ces deux branches-là pour faire une tête. Là. Ça, c'est clair. Il y a un petit peu de ménage, comme je te dis ici. Regarde, là, il y a une partie morte. là, La branche est repartie par là. Il y a un tout petit peu de ménage. Juste enlever ce qui est mort, les petites affaires. Écarter un petit peu, puis s'en aller en étoile quand on regarde d'en haut. Ça ici, euh, ça me fatigue un peu. Peut-être la plier, peut-être même enlever cette partie-là, puis plier la branche par là pour. Okay. Euh, pour, vois-tu, si je fais dessiner. Ça, c'est une proposition. Puis, j'enverrai ça un petit peu par là pour essayer de, 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 de calmer ça pour vraiment donner un petit peu plus de jeu ici. Puis, on voit que tu vas avoir un deuxième étage de charpentière ici. Stéphane? Okay. Oui. Euh, Bien, je, je vois qu'il y a eu des coupes sur les branches, au bout des branches. Euh, juste un peu plus. Ben, c'est pas moi, là. Okay. Moi, je, je pas taillé du tout. Juste un point là-dessus que. Souvent, je vois les, les suggestions de faire des coupes au bout des branches. Là. Ça, c'est comme Jean-Marie L'Espinance disait, ça, c'est détruire l'intégrité de la branche. C'est-à-dire qu'on veut qu'une branche, ça soit, imaginez votre main, votre bras et la main. On veut que le bras, il puisse continuer. Puis, on ne veut pas tout d'un coup le couper au, au poignet. <laughs> ça, ce n'est pas trop intéressant. Puis, en plus, ce qui arrive, si vous coupez le... Le bout d'une branche, c'est que ça va redire la branche. La branche va avoir de la difficulté à fléchir comme elle devrait, parce qu'une branche, souvent, elle commence à un angle, disons 45 degrés. Avec une charge de fruits, elle est rendue à 30. Avec deux, deuxième année de fruits, elle peut être à l'horizontale, puis éventuellement, elle est sous l'horizontale et là, elle est placée pour la vie. C'est une excellente branche. Mais si on coupe le bout de la branche, on la redit, puis elle ne pourra pas fléchir comme il faut. Elle va grossir, mais elle ne fléchira pas beaucoup. Alors évitez de faire les coupes sur les bouts des branches. Moi, si je vois qu'il faut que je la ramène parce qu'elle est dans le chemin ou quelque chose, mais au lieu de la couper au bout, je la coupe au complet au tronc. Comme ça, ça règle le problème. Comment tu réglerais ça? Ouais, moi, je l'enlèverais au complet. Elle a déjà été topée ici. Ouais, je l'enlèverais au complet, celle-là, parce je que je vois ouais. au point d'attache du tronc, elle est équivalente au tronc. Ouais. Alors, la règle pour le choix des branches, c'est si elle dépasse 50 du diamètre du tronc, euh, le plus simple, c'est de l'enlever. Même si je le sais, celle-là, si tu l'enlèves, un, elle indique qu'elle a une très forte racine. Parce que la racine détermine le diamètre de la branche. Si tu okay. coupes ça au tronc, fais-toi-en pas, tu vas avoir une remplaçante qui va être presque aussi longue dans une année, mais qui va pouvoir être fléchie. Tu vas pouvoir la former à la fin de l'année prochaine. Et là, ça va être beaucoup plus facile d'avoir une branche mieux placée. Parce que celle-là, elle s'en va faire un, un forme en vase qui est un peu difficile, moi. Les vases là, on a vu lors de l'année du verglas, est... tout est foiré. C'est sûr qu'il y le plus. puis il y a... toutes les charpentières ont cassé. Oui. Puis ils n'ont pas bien cassé. Non non, ils ont pété <laughs> dans le milieu, c'est n'importe quoi. Puis il était déjà pas pire mon pommecier. puis il y a, tu sais, en Europe ça se fait en bol. Ouais. J'ai un cot en bol à la maison, mais chacune Cha chacune des charpentières là, euh, fait de la gomose. Ça, ça fait des amorces de rupture partout. C'est vraiment spécial avec les, euh, avec les prémices. Quelqu'un a dit souvent les animaux, mes moutons, ont fait quelques tailles dans mon petit verger. Euh, J'ai eu l'expérience, j'avais 100 moutons dans mon verger au début et c'est pas quelques petites tailles. C'est <laughs> une grosse taille, c'est-à-dire qu'eux. C'était simple. Tout ce qui était en dessous de la hauteur de la poitrine, les branches, c'était fini. Parce que même s'il y avait une branche en dessous de la hauteur de la poitrine, ça veut dire à peu près quatre pieds là, pour moi, euh, tout ce qui est en dessous de ce niveau-là par les moutons, toutes les feuilles étaient enlevées. Donc même s'il y avait une branche. Euh, à la fin de deux ans, la branche, il n'y avait plus de feuilles, était, était morte. C'est bien pour l'aération, mais ça va monter le niveau de production. J'avais perdu une production, une table de production, comme on dit, là, le, un niveau de branche, euh, ils sont toutes mortes. Puis ça va, ça change le verger, ça fait un verger beaucoup plus simple. Donc, juste attention à ces tailles-là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans le chat, Catherine? L'espacement entre les charpentières, point d'interrogation, Marjolaine. Moi, j'aime les... un espacement pour le long terme, c'est-à-dire pour le final. J'aime pouvoir mettre mes sécateurs, sécateurs à long manche, qui font à peu près euh, un mètre. J'aime pouvoir les rentrer en deux branches qui sont quasiment pareilles, là, une par-dessus l'autre. Je ne parle pas d'une branche, puis l'autre qui est dans un autre angle. Je parle de quand il y a deux branches dans le même angle, j'aime pouvoir avoir un mètre entre les deux. Et s'ils n'ont pas un mètre, bien, généralement, je favorise toujours celle qui est en dessous parce que c'est toujours la plus difficile à remplacer, celles qui sont dans le bas. Alors, je vais couper celle qui est au-dessus. Euh, OK. Mais, merci. Normalement, des charpentières peuvent être espacées de. de ça peut être espacé de deux, trois pouces. Là. Je veux dire, ils peuvent faire le tour, mais on aurait quatre branches. Moi, je vise à avoir un X, deux branches sur le tronc d'un côté, deux branches sur l'autre côté, pour laisser l'aller ou le passage euh, à, libre de branches. Je ne veux pas avoir une branche qui me vient directement vers moi quand je passe. Mais pas au même niveau. Ils peuvent, être, ils peuvent être très proches, les quatre pourvu qu'il ne fasse pas un étranglement, c'est-à-dire pourvu qu'après ouais. les quatre branches, qu'il n'y presque plus de pouce, que le tronc, lui, y est, y est complètement chétif. Là. Ouais, ça devrait ça. être quatre branches, parfait, mais le tronc continue un peu moins gros, mais pas, euh, pas énormément moins gros. C'est difficile de le catégoriser, là, mais... Si on voit que bon, le tronc après ça, il est, il est chétif. Là, il n'y a pas beaucoup de jus qui monte dans le reste de l'arbre. et là, il est temps de supprimer une, une ou deux charpentières, euh, souvent okay. les plus grosses. OK, c'est bon. Je, Merci. je vais avoir d'autres exemples un petit peu plus tard, Stéphane, tu vas voir. Euh, bonjour Ginette, Clément. Tu as des beaux abricotiers en fleurs? Oui. Euh, oui. J'en ai perdu un. Celui de gauche est un, un, un scout, là. Il s'est mis à sécher puis pouf, le, le tronc complet a séché. Il est mort. Oui. Puis celui de droite. Lui, c'est un Arwen. Lui, il est très beau. Il a toujours été plus solide que l'autre. J'ai suspecté l'escarte. Je l'avais acheté en pauvre. J'ai euh, suspecté que je l'avais planté comme ça. Puis soit que les racines étaient trop euh, pivotantes. Je vais le déterrer au printemps. Je vais regarder les racines. C'est super important. Moi, je te suggère vraiment de faire ça, de le déterrer puis de regarder. Ouais. De faire l'autopsie puis de comprendre. J'ai tellement vu d'arbres en pot dont les racines ont fait deux, trois, quatre tours, ils ne sortent plus après. Puis l'autre chose, ça, ce qu'il y, qu y avait dans le pot comme terreau ne correspond pas à, à ton sol. Fait que ça fait une sorte de piscine puis. Ça pourrit, puis bon. Oui, fais l'autopsie terre là J'en ai fait beaucoup au collectif. On avait 350 ans, mais il y en a plusieurs qui sont morts. Il y avait été planté en pot, puis il tournait beaucoup comme ça. Quand je les ai plantés, ils étaient à peu près de la même taille. J'ai planté la racine nue, puis il a toujours été comme plus que. Y a-tu un côté qui est plus ombragé? Non, pas vraiment. C'est sûr, j'ai comme l'érable du voisin qui est... Ça euh, là, là? En test, oui. écoute ça va t'en prendre un autre hein c'est pas particulièrement auto-fertile, ces bébés là oui euh, ça va, où, tu vas, où tu vas faire comme moi tu vas courir des bouquets de fleurs partout euh, ben, je vais te... de greffer oui des variétés différentes de oui ça, ça, va, ça va très bien faire bien sûr oui. euh, tu oui, peux faire, avec les échanges de fred là tu peux faire ça oui, c'est ça que. Euh, on a juste un seul angle ici. Si on regarde rapidement, je, je, le, trouve, je le trouve très euh, colonnage. je le trouve refermé. Euh, je te suggère de l'ouvrir. Juste ça, puis regarde, tu peux aller t'accrocher après ça. Là. Je te suggère juste de l'ouvrir puis de lui donner une forme plus, pas en bol, mais plus ouverte. Puis pour le... Parce que tes abricots, là, ils vont monter, là, puis ils vont, aller, ils vont aller très haut. Tu vas voir, est vig... un abricotier, je te le dis, ça, ça... écoute, j'ai vu là 3, 4, 5, 6 pieds de croissance en une année. Ah oui. Parce que surtout s'il est mal pollinisé, il va pousser en malade. Okay. S'il est bien pollinisé, il va être occupé à faire des fruits, il ne poussera, pas... poussera pas énormément. Mais comme c'est là, il n'y a pas de copains là, pour l'an prochain, il va faire du cours des fleurs. Fait que l'année prochaine, si tu n'as pas beaucoup d'abricots, on va dire à l'affaire, là, ton arbre, qui a peut-être 7-8 pieds-là, là, ben rajoute cinq pieds. Puis là, les, les abricots vont être rendus là-bas. On va se parler des escabeaux tout à l'heure. Je suis allergique aux escabeaux, je vous dirai pourquoi. Fait, toujours est-il que si tu peux, c'est encore le temps, tu as des belles branches d'à peu près deux ans. Garde ta dominante apicale. Elle est toute belle, c'est là que tu vas aller. Euh, ça se taille pas comme un pommier en passant, des prunus. Des, ça, c'est arméniaca. Hein, c'est un, une espèce de prunus, mais c'est tous des fruits à noyaux. Donc, c'est pas un prunier, c'est un abricotier, mais c'est prunus arméniaca. Moi, ce que je ferais, c'est que je l'ouvrirais. Je ferais juste plier des branches. Ça va être le temps. On en discutait de la période. Moi, j'aime faire ça en mai puis en juin parce qu'en faisant ça, tu vas ralentir la croissance. Si tu le plies trop comme ça, là, tu vas avoir plein, plein, plein de Gourmands, là, tu sais, qui vont pousser là, partout, partout. Tu n'accompliras pas grand-chose, surtout s'il ne fait pas d'abricots. Idéalement, tu veux y faire faire des abricots pour pas qu'ils grandissent trop. OK? Fait qu il faudrait que tu te trouver des fleurs avec des amis. Puis là, c'est de trouver un abricotier. Écoute, à trois rues plus loin, il peut fleurir une semaine, euh, quatre jours plus tard, s'il y a un microclimat. S'il vente à trois rues plus loin, ah. Les fleurs n'arriveront pas en même temps. Moi, je suis à Boucherville, j'ai un chum, Guillaume, qui, me, qui veut me donner des fleurs. Il est à bel puis on n'est pas à la même place. Puis Fred Bossois, il n'est plus de bonheur. Euh, puis il est à Beauharnois. Moi, je suis à Boucherville, Fred est trois, quatre jours en avant de moi. Mon chum, Guillaume, à Saint-Bruno, il est trois, quatre jours après moi. Fait que c'est trouver, pas nécessairement proche de chez toi, mais de trouver quelque chose. Puis tu mets ça, tu mets des petits sacs d'eau avec des branches fleuries. Les abeilles vont trouver le chemin. Tu vas voir, ça sent bon, c'est magnifique. Ça va être plein d'abeilles. Mais tu veux le calmer, OK? Parce que sinon, ça vient bien trop haut. Ça peut venir 20-30 pieds de haut, un abricotier. Surtout s'il ne fait pas de fruits, il va pousser en malade. Ouvre-le, mais garde un bel angle, 45 degrés, quelque chose comme ça. Mets-le pas à l'horizontale. Ouvre-le, garde ta dominante. Tu n'as pas grand-chose que... à enlever de ça. Oui, Est-ce est que je coupe de la petite branche? ou euh... ben, C'est sûr qu'une petite branche, ça ne donnera pas des enfants forts. Okay? Euh, mais dans l'autre côté, tu ne veux pas faire un bonsaï. Regarde, il fait dix fois trop de fleurs, cet abricotier-là. Il ne pour, pourra jamais te donner tout ça. Oublie ça. Okay? Un abricotier de deux ans, là, quand il va t'avoir fait 20-30 abricots, des beaux abricots, ça va être en masse. Il va falloir que tu les enlèves. Falloir... Tu sais, j'ai déjà... déjà fait une vidéo là-dessus. Il faut que tu t'es éclaircisses. Sinon, il va te faire plein de petits abricots. Il va s'épuiser. Puis, si tu un gros hiver, l'hiver prochain, il va avoir de la misère à passer à travers. Ton premier temps, là, dans un premier temps, c'est vraiment ouvre-le. Essaye de le calmer en faisant faire des abricots. Pas trop. Puis, c'est tout. Moi, je ne vois pas grand-chose. Oui, il y a des petites branches, soit des petites branches qui se coupent, soit des petites affaires cassées. Enlève-les. Euh, tu coupes ça au ras du tronc. Fait Comme des... si, vous, si, si vous montez sur cette branche-là à, à gauche, celle-ci, la, la petite branche qui croise. Hein? Ce qui -là, va par là... en dedans aussi, enlève ça. Là, si ça enfin, va par en. Je ne sais ah. pas si ça s'en vient vers moi. Ça, ce qui s'en va par en-dedans, ça ne donne pas grand-chose. Je vais t'en une... montrer des beaux abricotiers de talent. Oui, Stéphane. Il y a une bonne question. Euh, Tony demande comment est-ce qu'on ouvre un arbre? On attache, hein? c'est-à-dire que tu peux mettre des poids. Tout ça. Moi, j'aime bien attacher, prendre un lien. Pas de la broche, hein? quelque chose de relativement mou. Ou si tu as quelque chose de dur, tu peux mettre une petite guenille et l'attacher. Je sais que Stéphane prend des cintres, des, des, des supports. Des cintres en métal, il accroche à une place, puis garde, Là, tu peux l'accrocher après ça. Puis j'ai fait une vidéo là-dessus, vous irez voir comment plier des branches. C'est avec des cordes, puis on, après, puis je dirais qu'on tient ça plié peut-être trois mois. Si vous pliez au mois de mai, quand la sève a, a commencé à passer dans l'arbre, juin, j'y ai où? Au mois d'août, ça va tenir. Là. Et elle va revenir peut-être de 20 mais pas plus. Puis là, puis là je libère complètement son tuteur. Là. Je... Oh oui. Il a été planté en 2019. Ah non, c'est fini. Même, oh oui, il est temps de l'enlever. 2019, c'est clair, il faut l'enlever. Pour, pour attacher, euh, il y a des branches là-dessus qui commencent à être assez grosses. S'il ne se plie pas bien, parce que c'est sûr que des fois, un fil ou un, une corde... Moi, je préfère les fils parce que j'ai vu, j'ai eu des, des attaches plastiques dans les arbres quand je suis arrivé. Et j'ai vu que si on l'oublie, c'est sûr, quand on est dans une cour arrière, on le voit régulièrement. Euh, les chances de l'oublier sont beaucoup moins grosses. Donc, on peut y aller avec des cordes ou des fils euh, ou des, des attaches là, en plastique. Mais le, si on l'oublie, le plastique ne permet jamais une, une très bonne cicatrisation. La, une broche, la branche peut pousser complètement autour d'une broche. Et si on coupe et on voit la broche dans le tronc ou dans la branche, on voit qu'il n'y a, a pas de plaie, on voit du fer et on voit la branche, c'est tout sain. Euh, la branche accepte le métal, mais accepte beaucoup moins bien le plastique. Mais on peut aussi écarter, c'est-à-dire qu'au lieu d'attacher, on peut. Moi, je prends souvent quand je taille, j'ai des de grosses branches là, ouais. que je vais couper et je garde une avec un V et je mets le V quelque part dans, dans une sur la branche. Et l'autre, je l'attache en dessous d'une autre branche. Je prends une branche, finalement, que j'utilise comme écarteur, puis ça me permet d'écarter ouais. et de comme placer ça. la branche sous une autre, ouais, ça, ou sur ça, le ouais. tronc, en dessous du ouais. tronc, là, euh, où une autre branche sort. Souvent, c'est une belle place. On a le tronc et où une autre branche part. Ce point-là, là, là c'est un bon point pour euh, placer un écarteur. C'est deux choses. Oui, c'est sûr que l'idéal, c'est de le faire quand la branche est plus jeune, mais votre arbre, il est quand même bien structuré. On voit qu'il n'y a pas eu, je pense que vous n'avez pas fait aucune taille là-dessus. Et l'arbre commence à avoir vraiment un pas naturel pour un abricotier. Mais quelqu'un avait aussi un autre commentaire. Dans un espace restreint comme une petite cour arrière, devrait-on partir les charpentières plus haut afin de pouvoir circuler, tondre la pelouse autour ou dessous. Exemple, ici sur la photo, la maison est assez proche pour un arbre à maturité de 15 à 20 pieds. C'est vraiment nous autres qui décident, mais on ne peut pas striper d'un coup, justement, on va faire trop de réactions, mais on pourrait commencer à enlever des branches, puis oui, on peut décider d'avoir la production plus haute, mais c'est toujours le contraire qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'on veut la production plus basse, comme toi, Ginette, se grimper d'un escabeau ou l'avoir là, c'est pas mal plus fun de l'avoir ici. Ouais. Euh, donc, euh, mais c'est nous autres qui décident. Hein. Et là-dessus, je dirais le point quand il a mentionné pour pouvoir tondre. L'idéal serait qu'on n'ait pas de pelouse, comme dans ce cas-ci, Ginette, on ouais. n'a aucune pelouse, donc il n'y a pas de passage de tondeuse. L'idéal, c'est de pouvoir mettre comme ça, du BRF jusqu'à la ligne d'égouttement. Ça, c'est l'absolu idéal. Et la ligne d'égouttement, ça serait où, Richard? Là? Ouais, c'est ça. Alors, jusque-là, si vous gardez des, du BRF autour du tronc, vous allez avoir un arbre heureux. Vous n'avez pas besoin de passer pour tondre. Et à long terme, parce que l'idéal, c'est. penser dans, dans 5, 10, 20 ans, votre arbre. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être accessible? Comme Richard, il dit, là, euh, travailler avec un escabeau à journée longue, là, moi j'ai vu très vite les gens réalisent, ouais, ça, ce n'est pas, pas l'idéal, ça, travailler sur une échelle pour aller chercher les fruits. Plus que vous euh, avez ouais. des fruits faciles, accessibles, bas, mieux que c'est. Et utiliser une perche pour récolter ce qui est plus haut au oh, lieu d'une échelle. Puis tu sais, aller ramasser une cerise à 20 pieds dans les air, ça n'a pas d'allure. Une pêche, ça va nous tenter, mais on peut y aller avec quelque chose pour grappiller, mais une cerise à 20 pieds d'un puis c'est là qu'on finit avec le bout du pied, c'est la dernière, tu sais, sur le dernier échelon, puis c'est là qu'on peut se tuer, qu'on peut se blesser, qu'on peut faire une commotion, qu'on peut rester. J'ai un oncle qui est mort de ça. Fait que non, moi je suis allergique. Là. Garde, quand tu as des branches de 2-3 ans aussi, là, tes accroches pas comme ça, parce qu'ici, on appelle ça un moment de force. Tu n'as pas un grand levier. Tu vas avoir de la difficulté à ouvrir puis tu risques de fendre ici. Tu hein? vois? Ouais. Ça, ça, on ne fait pas ça. Si tu apprends plus haut, tu vas te rendre compte que ta branche, elle va pouvoir faire ça. Ouais. Quand tu vas venir la chercher comme ça, c'est comme ça que tu veux venir la chercher. Si tu veux l'attacher, puis même si tu veux la repousser avec un autre. Tu peux la repousser plus haut, tu vas donner un plus grand angle comme ça. OK? Tu vas l'ouvrir. Puis de toute façon, les petites branches dans le bas, tu vas t'apercevoir qu'à un moment donné, elles vont toutes mourir parce que ta, la cime va toutes prendre la, la, le soleil. Est-ce que ça répond bien à tes questions, Ginette, pour ça? Ah oui, ah oui. Là, on a un autre beau prunus. C'est un vieux griottier, Puis je voulais que vous voyiez de quoi ça a l'air quand ça vieillit. Est Ce que vous plantez petit, proche d'une maison, là, ça veut venir gros comme ça. <laughs> puis, j'en ai pris aussi. Je suis allé en prendre tout à l'heure à Boucherville. Euh, Voyez-vous comment, ce qui ne reste plus rien dans le bas, les, ben, ils ont coupé les branches qui sont justement pour faire le gazon. Ah, puis, Ginette, tu sais, quand on disait pas passer la tondeuse proche des arbres, juste un coup mm -hmm. de tondeuse là. Ou okay? le Weed Eater, c'est encore pire. Ah, ça démolit les arbres. J'ai fait des vidéos là-dessus, là. c'est mortel. Tu sais, les villes qui mettent du gazon jusqu'aux arbres, puis pour faire propre, ils passent avec le weed eater, puis ils accrochent avec la tondeuse. Ne serait-ce que pour, tu sais, de mettre du copeau de bois, là. ne serait-ce que pour que jamais il y ait d'outils proches de la base d'un tronc. OK? Bonjour, Julien. Euh, bon, c'est chez toi. Ça, oui. c'est un griottier. Euh, il était là, j'imagine, quand tu as acheté la maison. Oui, exactement. J'ai acheté la maison il y a trois ans, puis euh, il était déjà là depuis euh, ça, peut-être 20 ans. OK. Bon, ben regarde, as, bon, tu un griotier de 20 ans, 20, 25 ans, ça ne vit pas 50 ans, un griotier, OK? Est-ce que c'est. Est-ce qu'il fait des, des gourmands tout le temps Des, des drageons. Oui, il a commencé à en faire un peu partout dans, au niveau du sol, puis sur les branches aussi à différents endroits. C'est ça, Cette année, euh, il a été plutôt mal en point. Il y a plusieurs grosses branches qui n'ont qui, qui a, qui a pas de feuilles qui ont poussé. Um, il est en fin de vie. Ouais. Euh, a, ça, il a, il a, il, on voit aussi du gommage apparaître euh, à certains endroits sur les branches. La gomose, comme du gelé, ouais. là, comme, comme du Ouais, du, du, comme du jello, là. ouais. Ça, du gelo, tu vas en avoir tout le temps. Ça s'appelle la gomose. Okay. Euh, la gomose, c'est le symptôme. Hein. Ça peut être un insecte, ça peut être un. Une, tu pourrais avoir de la gomose, tu vas, vas voir souvent dans des... Ici, là, de la gomose, mm -hmm. Tu vas, vas voir dans des fourches, tu vas voir une branche mal coupée va faire de la gomose, même une branche bien coupée va faire de la gomose. Écoute, il est en fin de vie. Euh, tant qu'il vit, puis qu'il fait ton affaire, puis qu'il produit, moi, je ne suis pas pour couper un arbre. Euh, ce qui est mort, par contre, il faudrait que tu l'enlèves. Euh, ce qui est mort ou à moitié mort l'autre chose, quand on parlait d'escabeau, regarde, c'est parce que là, gr... c'est des griottes, hein? Oui. Des petites trissurettes. Écoute, sois prudent, récolte ce qui est en bas, ce qui est en haut, laisse-le aux oiseaux. Euh, moi, je suis rendu à 60 ans, puis partir d'un échelle, aller ramasser trois griottes. Oui, c'est très, très haut. Puis euh, mettons, on, on les récolte pour faire euh, de, la, de la gelée, puis c'est oui. peut-être à peine 25 de de oui. tout ce qu'il y a dans l'arbre qu'on réussit à accueillir, parce que c'est ça c'est très très haut. Mais c'est tu quoi t'es sage puis laisser 75 puis ne pas se blesser pour des cerises. Je pense que c'est facile c'est facile mm -hmm. d'arriver à quelque chose de bien comme ça. Les se régale ça. dans, dans l'arbre. Parfait c'est bon pour l'environnement c'est bon pour les merles. tout le monde est content. Tu n'as pas trop de, de charançon dedans? Tu beaucoup de fruits au printemps quand t as, t as avec des petits points dessus? Pas tant que ça, non. Les fruits sont quand même beaux. OK. Il n'y a pas de nodules? Tu vois jamais de nodules? Ouais, Exactement. ça ressemble à une crotte de chien là, accrochée après une branche comme ça. Non, on n'a pas ça, mais on a des champignons qui ont commencé à pousser de, sur, sur l'arbre. Oui, il hein? y a champignons et lichens. Il faut faire attention. Les champignons vont pousser sur une branche morte, le lichens. Ça veut peut-être okay, ben ouais, dire est que l'arrivée. Chez... En fait. Oui, ben le ça change pas grand-chose. Ça change rien. Okay. Ouais. Fait que garde, tu peux faire le ménage. Tant qu'il qu fait votre affaire, gardez-le. Moi, c'est comme ça, je pas un arbre pour le fun. Ben, surtout qu'il nourrit de la faune, il vous nourrit, soyez prudent. Coupez ce qui est mort, coupez ce qui va pas rentrer dedans Soyez prudent. Mais... Qu Sachant qu'il est, ça... qu est en fin de vie. Euh, à quel moment ce serait bon que je replante autre chose à côté pour que lorsque lui, il, il soit complètement mort, ben, que l'autre arbre puisse prendre, euh, prendre sa place? puis. Euh... En fait, ces remplaçants sont déjà en train de pousser. C'est les, euh, les, les dragons qui poussent. Là. Mais là-dessus, là. oui. Richard, là-dessus, par contre, si l'arbre, il est greffé, là, on ne voit pas s'il est greffé. Même des griottes, parfois, c'est greffé. C'est pas toujours de ouais. semis. Euh, si c'est des drageons, tu peux et tu peux le regreffer par après. Ce serait une, une chose avantageuse. Okay. J'enlèverais okay. la branche qui est dans le milieu, qui est comme le tronc le plus petit, là, dans, en dessous de la oh. mangeoire. Ouais. J'enlèverais au complet celui-là, à terre. Il semble du moins euh, assez concurrencé. Là. Si tu ouvres un peu, ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir une régénérescence de branches plus bas plus accessible. Parce qu'on ne voit pas si cette branche-là va vers le milieu. Ouais. Mais si elle va vers le milieu, on la coupe. Euh, celle-là va s'envoler aller vers l'extérieur. Tout ce qui va vers le milieu. Puis quand tu vois deux branches, une par-dessus l'autre, ben là, tu as une décision de propriétaire à faire. Si mm -hmm. celle-là est à moitié morte, souvent, c'est ce qu'on... Regarde, ça, ça a l'air d'aller vers le milieu. Ça, Si ouais. ça va vers le milieu, ouais. on le coupe. Euh, si ça, c'est à moitié mort. C'est sûr que Stéphane disait qu'il aime bien couper. La plus grosse, mais faut, faut, faut... si ça, c'est à moitié mort, ça ne donne pas grand-chose de le garder. Tu sais. Mais celle-là, par contre, va par en haut. Tu sais. fait que as une décision. Tu sais, tu c'est difficile la... de voir d'un angle. Oui, ouais, c'est ouais, 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 Mais c'est sûr qu'en dégageant le centre, il va se regarder. Il va finir en bol un peu, mais un grand, grand bol. Puis, ben, tu gardes des dragons, puis tu peux les greffer ou tu peux les laisser voir c'est quoi. Puis peut-être que les griottes sont bonnes. Écoute, okay. il y a beaucoup de, de ces gens dans, ces, dans ce temps-là qui prenaient des semis de, 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 de griotiers pour greffer des griottiers au lieu de prendre du mirobolant ou d'autres affaires comme ça, ou du Saint-Julien. Ça ne coûte pas cher des semis. Ça répond bien? Oui, bien merci. Très, merci. très clair. Je vais aller au cerisier SK parce que c'est des griottiers. Bon, c'est un cerisier SK en fin de vie. OK? Les cerisiers SK, ça a été fait, c'est magnifique, là. Ça a été fait pour. Euh, Écoute, c'est merveilleux, 2 mètres et demi à 3 mètres gros maximum. On plie les branches facilement pour ramasser, puis tout ça. Mais en fin de vie, ça fait de la gomose partout ici. Euh, J'ai déjà ouvert le, le, le centre l'an passé. On continue à le laisser produire. Ça marche. Il est en fin de vie, mais vois-tu, euh, comparativement à l'autre image, il est beaucoup plus petit, mais tu sais, l'autre a 20 ans, celui-là, il a à peine 10 ans. Deux autres grillotiers ici qui sont en fin de vie, Ils sont dégarnis dans le bas. Euh, J'ai juste enlevé le bois mort, puis il est plein de gomos. Ça, c'est les drageons qu'on a, dé qu a décidé de garder parce que les SK ne sont pas greffés. Euh, donc, on a décidé, les remplaçants sont déjà là, c'est ce dont je te parlais, Stéphane, ce que je faisais. Les remplaçants sont déjà ici pour ces deux arbres-là en fin de vie. Fait que les arbres en fin de vie continuent de produire. Et vous ne le voyez pas, mais c'est plein de bourgeons floraux ici. Eux commencent à produire. Donc, les deux remplaçants sont déjà sur place. Euh... Et l'autre chose, le SK, c'est théoriquement, c'est un arbuste. Ce n'est même pas un arbre. Euh... Alors souvent, il va faire multi-tiges de la base. Euh, il peut avoir deux, trois tiges. On peut le conduire à un. On peut le tailler dès qu'il est jeune pour qu'il fasse une tige. Euh, puis j'en ai, moi, qui sont... Dans leur deuxième itération, là, ils, ont, ils ont eu un déclin. On le coupe près, de, près du sol. Il va repartir deux, trois tiges, Puis là, on, on a un autre arbre. La racine peut vivre. Je ne sais pas combien de temps que ça peut vivre, mais jusqu'à maintenant, ils il vivent. Puis ils vivent. Euh, ben mais le haut, n'ayez ouais, pas peur de les renouveler. Quelqu'un dit. Euh, Voulons-nous avoir les charpentières horizontales? Il disait 45 degrés pour les abricotiers, pas, pas horizontales comme les pommiers. Ça, c'était deux questions, Marie-Odile et Benoît. Toi, tu es 45... plus d'accord pour le 45 degrés, pour, surtout pour l'abricotier? Je préfère le 45 degrés. C'est sûr que les vieux pruniers mont -Royal, on les voit arriver à un moment. Quand ils sont calmés, tu j'en ai. T'sais... On les voit, puis à un moment donné, ils prennent leur forme. Mais quand ils sont jeunes, j'ai peur, peur de les mettre à 90 degrés pour ne pas qu'ils qu partent un paquet de, 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 de gourmands euh, partout. Mais quand ils vieillissent, on le voit que. Tu sais, les Mont-Royal produisent tellement, pour donner un exemple de, 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 de prunes, on le voit que quand ils se calment, bien là, ils vont même aller tu sais, il y a une partie de la branche qui va aller sous l'horizontale, tu sais. Ouais. Euh, je ne sais pas ce que tu Moi, je ferai la différence entre plus jeune et plus âgé. Je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphane. Ça, c'est un arbre qui a été formé. On voit les branches du bas, juste là. là. Ça, toutes ces branches-là, au début, ils ont été pliées. Euh, ça, je ne l'ai jamais touché, cet arbre-là, juste pour vous montrer. Je veux j'ai touché des branches. Ça, c'était parce qu'il y a eu de la nodule. Mais je n'ai jamais fait une taille d'une branche pour faire la taille. Je l'ai laissé aller. Il euh, y, y a un petit peu qui, deux troncs qui se forment parce que l'ancien tronc, euh, avec les prunes, il commence à baisser, baisser. Fait il y en a un autre qui essaie de reprendre la place. Mais ça, c'était, on voit par la courbure, c'était comme Richard expliquait, c'était simplement attaché au bout pour arquer la branche. Et une fois sous l'horizontale, je n'ai jamais eu à couper un drajon. Sur le prunier, là, je vous dirais, serrez vos sécateurs le plus possible, mais essayez de former quand ils sont jeunes les branches, pas quand ils ont 3-4 ans. Là. Quand ils sont jeunes, on peut les replier. Et même s'ils semblent faire un peu un drachon, mais dans, dans une année, c'est couvert de fruits, puis ils ne feront jamais rien de, de dangereux. Là. Il, y a, il y a quel âge? 15 ans. Ce que je remarque, c'est qu'il est, est calmé. Ah, il est complètement calmé. Il est complètement ouais. calmé parce que souvent, ce qu'on voit, c'est des pruniers qui vont faire, on va en voir tout à l'heure, des tiges de 1 puis deux mètres. Non, un non mètre ça fait par un année. La seule fois que je vois une tige qui fait plus que 30 cm, c'est où j'ai coupé une branche. Si pour une raison, j'ai coupé une branche, là, si, je, si je la fais couper là, il va faire une réitération. Mais une fois que toutes les branches ont été pliées, puis là, je J'évalue. Est-ce que j'ai besoin de faire une coupe? Puis dans celle-là, j'ai jamais eu à faire une coupe. Il n'y avait pas vraiment trop de blanches ou des branches mal placées. Puis c'est complètement calmé. Je J'ai aucun... presque plus de... La seule croissance que j'ai, c'est sur les structures à fruits. Puis euh... <laughs> ça, ça, ça devient intéressant. Ça veut dire que celui-là, je passe à côté, je regarde. OK, il n'y a pas de nodules, il n'y a rien à enlever. Prochain. Ça, c'est un peu l'objectif. Est-ce que, Stéphane, le fait qu'il y ait tellement de pollinisateurs dans ton verger que tu aurais une pollinisation... Euh... Parler de pollinisation, là, juste un point. J'avais des abeilles jusqu'en 2017. C'est la dernière année que j'ai gardé des abeilles. Euh, après ça, je les ai enlevées pas parce que je n'aimais pas les abeilles, j'aimais beaucoup garder des abeilles, mais parce que je commençais à avoir des problèmes de surpollinisation. Et surpollinisation voulait dire que les branches cassaient, les têtes des arbres cassaient à cause de surcharge. Et donc, en éliminant les abeilles, là, j'ai toutes les abeilles indigènes, surtout Bourdon, euh, le, le Orchard Bee, là, veux, Osmia, puis les, les différentes okay, yeah, abeilles. De verger. Hein, les abeilles solitaires, oui. Oui, toutes les abeilles euh, indigènes, j'en ai en abondance. Ils font absolument tout le travail. Je ne veux même pas d'abeilles à miel parce qu'ils font une surcharge de pollinisation. Moi, je trouve que si on doit dépendre des abeilles à miel, ça, c'est un premier signe que, hop, attention, là, il y a quelque chose qui ne marche pas bien là, dans le système parce que. On, a on doit dépendre de l'abeille à miel. Alors, euh, on devrait pouvoir, puis c'est pas compliqué, là, des fois, des tas de branches. Quand on taille, laisser des branches dans un coin du terrain, c'est un des, des bons endroits pour qu'ils puissent hiverner. Euh, si on a une petite butte quelque part, c'est souvent un endroit où ils peuvent hiverner. Puis ces, in ces insectes-là, des feuilles, des fe un tas de feuilles, là, ça, c'est excellent pour surtout les bourdons. Ils vont vraiment aimer. Ils vont passer l'hiver dans le tas de feuilles et euh, ils vont rester au sec parce que les feuilles ne vont pas se mouiller jusque dans le fond. C'est des petits trucs, mais on... la pollinisation, c'est super important. Le bourdon, c'est le numéro un d'utile. De... Est-ce que c'est pas euh, garder des feuilles comme ça en tas dans un, dans un verger, est-ce que c'est pas dangereux pour... Euh... Pour continuer à propager des maladies comme la table, par exemple? Ben, c'est une question d'opinion, parce que moi, je veux tout avoir. Je veux avoir toutes les maladies, puis je veux avoir tous les insectes, mais je ne veux pas qu'ils soient là à un point qui me cause des dommages. Euh, mais quand je dis des feuilles, là, les meilleures feuilles, c'est les feuilles d'érable. C'est drôle, mais c'est ceux qui sont les plus gros. C'est une grosse oh, feuille. Sûr, Alors, quelques sacs de feuilles d'érable qui est facile à obtenir en ville, là, euh, ça va loin pour garder des, des bourdons en vie pour l'hiver. Cette okay. année, on est à risque d'avoir une, une population assez faible, euh, surtout dans les guêpes, parce que l'hiver a été assez rude, puis eux, ils hivernent pas dans le sol. Là, ils hivernent. Dans des tas de branches, puis avec le froid qu'on a eu, là, on risque de partir le printemps avec très très peu de certains insectes. Pour répondre à la question là, de l'angle de la branche, je suis pour beaucoup de, de repliage parce que j'ai vu que si on plie, puis surtout si on plie même, à le, même en dessous de l'horizontale, on calme complètement la branche, on, on élimine les risques. Le plus grand risque de réitération, c'est quand on est à, à, disons à 20 degrés ou à 40 degrés. Là, on va avoir des chances. Si la branche n'est pas en, comme, comme celle de Ginette, là, qui était bien en fleurs, pas de problème, même, euh, même à un angle. S'il y a des fruits, il n'y aura pas de gourmand. Mais comme Richard il dit, avec abricotier, le risque, c'est si on a un, un gel, puis on perd toutes les fleurs, Là, ces branches-là, c'est tellement propice à des gourmands. La taille de gourmands, je trouve, c'est signe numéro un qu'on devrait reculer. Si la branche a créé beaucoup de gourmands, on recule jusqu'au point d'attache avec le tronc, puis on élimine ces branches-là. Euh, moi, j'ai fait le tour du verger deux années de suite, puis j'enlevais les branches qui étaient les plus remontantes la première année. Deuxième année, celle qui est encore remontante. Puis dans la troisième année, ce qui me restait, c'était des branches soit l'horizontale ou sous l'horizontale. Puis j'ai vraiment, je pas de gourmand. Je voulais prendre une photo. J'ai gardé un arbre avec une branche qui est à 45. C'est la seule branche que j'ai qui, qui est pleine de gourmands. C'est vraiment l'indication que ce n'est pas toi ou la façon que tu gères. C'est tout simplement de garder des branches qui sont à un angle qui encouragent les gourmands. Faites-vous pas prendre par les gourmands parce qu'ils sont très gourmands de votre temps, de votre effort, de votre énergie. Il faut faire attention parce que tout ce qu'on dit là est relatif à la pollinisation. Ouais. Ben, surtout dans pollin... les abricotiers et les pruniers. Tu sais. ben, surtout les pruniers, les, les hybrides et les affaires qui sont difficiles à, à polliniser. Euh, si, si vous n'avez pas le bon match pour votre prunier, ben, il va pousser en malade. Puis là, vous allez être pris. Là, vous allez tailler en fou, puis vous ne saurez pas comment le calmer. Mais je pense que ça, ça revient toujours à une chose c'est l'observation, l'observation, l'observation. On pourrait avoir le même arbre, Stéphane et moi, puis euh, Julie, puis Richard Baudry, puis Cynthia, puis Christian. On pourrait avoir, tout avoir le même arbre. S'il n'est pas planté dans le même écosystème, puis dans le même sol, il ne poussera pas pareil. Enfin, ouais. puis, puis ça, c'est une chose. Dit quand pareil. tu dis moi, les arbres, ils semblent calmer, mais moi, je suis dans du sable de plage. Alors, je n'ai pas l'énergie ou je n'ai pas la fertilité du sol qui pousse l'arbre en fou. Mais quand tu tombes sur les glaises ou les limons argileux, c'est des sols de, super de fertiles. Je suis dans de l'argile limoneuse. Ça pousse. <laughs> moi, là, genre, Moi, mon problème, c'est vraiment de polliniser pour essayer de calmer cette bébête-là parce que ça veut... Je... De l'argile limoneux, là, c'est ce qu'il y a de plus fertile, c'est l'enfer. Avec... Ben, Puis on je... met du copeau de bois par-dessus, c'est l'enfer. Je relisais ce livre-là qui est vraiment... le Moi, c'est ma bible pour la taille, là. C'est euh, la conduite, tu sais quoi? De la taille à la conduite des arbres fruitiers. Jean-Marie Lespinard, c'est Evelyne Le terme Excellent. Même si c'est fait en France, c'est de eux que j'ai appris. Puis je relisais là, justement sur les, les prunus aussi. Là. Puis eux, ils favorisent beaucoup l'utilisation de branches qui sont vraiment ouvertes. Euh, mais ils, ils, font, ils, ils font vraiment le, le point qu'on ne devrait vraiment pas faire de taille jusqu'à temps que l'arbre il est complètement à fruits. Parce que c'est ça qui va calmer. Si on commence à tailler quand l'arbre n'est pas encore en fruit, bien là, on risque, on risque de, de prolonger la période où il est drageonnant, où il fait des grosses repousses. Mais les branches, lui, il nous expliquait ça que les fruits, c'est le frein, puis les feuilles, c'est le, le gaz, hein, les deux pédales. Alors, dans un arbre, aussi longtemps que l'arbre ne fait que de la branche et des feuilles, c'est le plein gaz. Puis l'arbre, il pousse, il pousse, il pousse. Puis ce qu'on veut, c'est le plus vite possible, on veut que l'arbre commence à faire des fleurs, puis il fasse des fruits pour le calmer, le ralentir, pour pas qu'il parte en fou. Puis là, on peut faire des branches, on peut couper des plus grosses branches sans, sans partir le gros risque de déséquilibrer l'arbre. Et on revient pour euh, finir avec euh, toi, tu avais les. Les pruniers, surtout. Tu as aussi les poiriers. Les que, poiriers, euh, oui. On va faire un bout de poirier, puis on verra le, selon l'intérêt des personnes. Peux-tu expliquer euh, les SK? Les SK, c'est l'Université de la Saskatchewan. C'est un hybride complexe. C'est Fruticosa X Cerasus. C'est un hybride entre deux sortes de, de prunus. Euh, la première génération, c'est la série Romance. Il y en a six. Puis là, il y a une série euh, Mousquetaire, je pense, qui va sortir. Ah, oui, euh, d'Artagnan, ouais, tout ça, là, c est, c est, euh, ça a l'air c'est encore amélioré. Ça, ça tombe sur le marché là. là. Donc ah, les oui. Roméo, les Juliette et tout, ça ne pas des Roméo, Juliette, Crimson Passion, Valentine, okay. euh, Cupidon, euh, c'est des, des. Mais les, les plus populaires, on en voit toujours deux, trois c'est Roméo, Crimson Passion, puis euh, Juliette. Okay. Le premier, c'était Carmine Romeo, Jewel. Carmine Jewel, oui. Roméo, c'est vraiment mon favori. Là. Il est vraiment bon. Là. Il... Puis, on peut... puis ce qui est le fun avec les SK, c'est qu'on peut les garder. On peut les garder sur l'arbre jusqu'à mi-août. Hein. C'est vraiment. Je m'en à oiseaux, puis je les garde. Plus... Tu sais, c'est en ju... début juillet, d'habitude, 8, 10, 15, 12 juillet, tu sais, qu'on récolte ça d'habitude. Mais les fruits ne tombent pas. Fait que les fruits restent accrochés, puis plus on les laisse aller, plus le taux de sucre augmente, l'acidité diminue. Les cerises continuent à grossir, ils deviennent juteuses, la chair est noire. Euh, c'est pas sa viande. ce un là mais c'est bon. Quand on récolte ça au 15 août, là, wow! C'est vrai que, que j'essaye ça les filets avec ça parce que je n'ai jamais vu, j'ai jamais vu complètement noir, rendu là. Écoute, Stéphane, ce qui est le fun, c'est que tu peux récolter des griottes Roméo pendant 5-6 semaines. C'est fantastique, au lieu de les congeler. ou de... Non, non, quand, quand je passe à côté du Roméo, j'en mange pendant un mois et demi. puis Ils restent bien sur... Ils finissent par pourrir, mais à la fin où? Je, je les ai laissés aller jusqu'à ce qu'ils pourrissent. Je n'ai pas eu de molinos dedans, je n'ai rien eu. Ça, pas eu... Il n'y a pas d'odium, il n'y a rien, tu sais il y a d'autres griottiers qui font de l'oïdium, c'est fruits même, c'est c'est fruits. Je pense que les gens oublient, c'est des fruits du Saskatchewan là, c'est zone ah, étroite. zones ouais. c'est pour bien des endroits où il y a oubli, oubli presque beaucoup d'arbres fruitiers là, mais les cerisiers, est-ce que Non, j'en avais assez d'îles pour <laughs> oui. dire. Puis, il n'y a même pas besoin de taille. On fait juste enlever le bois dans le milieu, le bois mort dans le milieu. On peut laisser ça en boule, si on veut. Avec le poids des fruits, ça va, ça va ouvrir pareil. Marjolaine, quand est-ce qu'il produisait? Ben moi, il commençait à produire à la fin août. Fait que ça veut dire que <laughs> fin août. la troisième semaine de août, j'en avais jusqu'à... Parce qu'avant que les gels arrivent, souvent, ben, ces dernières années, ça arrivait... Passé septembre, là, fait qu'on était correct. Wow! Ça qu paraît qu'il y a une avait, différence, moi. Il commence. J'avais dans les romances, j'avais Crimson, Passion, Roméo, Juliette, j'avais des poiriers, des pommiers, pruniers, des camerises. j'avais tout. île, c'est hein? Mais pas d'abricotier. Abricotier, de on est trois, ça, ça pousserait à sept îles, en tout cas, oui. Sûrement. Mais euh, est-ce est qu'ils sont bons au goût? Aucune idée. Les semences stratifiées dans mon fridge en ce moment. Ils ont-tu commencé je... à germer, Mathieu? Non, je ne pense pas. Je les ai mis au fridge à mi-janvier. Donc... Ça prend deux mois. Tu vas voir, des abricotiers, ça prend deux mois, deux mois et demi, puis tu vas voir une racine sortir. Ça va casser à la coque tout seul. La... Oui, ouais, mais j'en ai fait l'année passée, puis... Euh... Il y en a comme un que j'ai germé, qui a donné un petit plan, puis finalement, ma mère l'arrosait le matin, puis moi je le réarrosais l'après-midi, puis c'était trop, il n'y a pas aimé ça. Fait il a, ils sont morts, il est, il est mort. J'ai réussi les amandiers de Russie qui, qui étaient super beaux, j'espère qu'ils vont avoir l'hiver, et que je vais pouvoir les bouturer éventuellement. Et je suis censé me faire donner des boutures de, de kiwis hein, C'est ce printemps. Ouf, es loin de ta mère, là. Là, t'es loin, on en reparlera. On en Eh ben, écoute, à Matane, ça pousse. Euh, c'est du monde qu'ils ont à matane. Ça, je ouais, te parlais, ben, les jardins de Doris, on ira ensemble. C'est pas ça tu parce que t as, as si pieds de neige. Il euh, ben, faut, faut vraiment que tu comptes sur le banc de neige. Oui, c'est ça. C'est Il, Il pas si t'as neige de neige pas neige pas. que ça, Charles. <laughs> c'est pas si frais que ça, Matane. <laughs> Est-ce qu'on ben, reprend? Moi, les les Isaïes, ils, euh, ils meurent au banc de neige, à Boucherville. À cette île, on a déjà eu dix pieds de neige. Un petit peu de euh, poirier. Donc, ça, pour vous donner l'idée, que poirier, c'est un arbre, on peut faire beaucoup avec. Ça dépend combien de temps vous voulez passer dessus. Ça, c'est au jardin du roi à Paris. Le roi avait, avait la main-d'œuvre. L'idée, c'était qu'il voulait mettre le maximum d'arbres et de fruits par espace parce que quand même au centre-ville, c'est Paris. On voit qu'on peut faire une haie, ça c'était comme une haie de, de poirier formée en espalier. Et poirier, ça va pour ça. Il veut faire, multi, il, il peut facilement faire multitron. Chaque tronc est conduit. Comme un arbre, finalement. Là. Chaque, chaque branche est remontée pour donner l'équivalent d'un arbre, d'un fouet. Mais ça, est-ce que c'est greffé comme ça ou c'est la variété qui donne? Non, ça, c'est greffé. Moi, ça, ça. La... Ouais, ça serait tout des arbres greffés. Pour répondre à ta question, pendant que Stéphane euh, cherche la photo, euh, Mathieu, c'est euh, des arbres en espalier. Ils sont conduits sur des fils puis ils sont sculptés comme ça. Par les jardiniers que c'est là c'est une forme qui est complètement ça c'est pas naturel complètement du tout ça artificiel c'est ça ça c'est complètement c est, c est artificiel façonné par l'être humain oui mais une des choses dans cette conduite là ça c'était une, une conduite qui fait parce que le poirier il peut, il peut monter très haut un poirier là ça, ça peut être 10 mètres de haut mais si on le forme en courbe comme ça au, il fait à peu près la moitié de sa hauteur parce que chaque courbe lui prend de la place, là, lui prend du chemin. Fait que rendu au bout, l'arbre est complètement à fruit, puis ça le bloque là. Alors, c'est juste une autre façon de faire ça. Les, les Français ont élevé cette méthode de, de conduite-là euh, à une forme d'art. Mais c'est quoi l'avantage de, de monter un poirier comme ça? C'est juste qu'il plus facile à accueillir, il produit plus. Il... Quand tu ouais, l'avantage qu carré, ben c'est ça que ah, ça fait. Ouais, ça. Sûr. Okay. Et aussi, c'est que souvent, là, on ne le voit pas dans ce contexte-là. On le voit plus dans ce contexte ici. Mm -hmm. C'est qu'on peut prendre avantage de microclimat. Ça, c'est en Belgique. Et euh, c'est pas toujours Belgique, c'est vraiment un, un beau climat pour les poiriers, mais. Souvent, ce que les gens ils faisaient, ils les mettaient sur les murs et ils gagnaient, ils pouvaient faire des poires, disons, un peu plus sensibles. Ça, c'est un arbre, là, je peux vous dire, c'était impressionnant que c'était un arbre assez vieux, mais c'était complètement à fruits. Là. Il y a beaucoup de structures, mais une fois formé, on a un arbre qui devient un mur de fruits et quand on voit un peu le contexte dans lequel il était, D'où l'origine des beautés flamandes de poirier préféré à Richard. <laughs> Moi, j'appelle ça la laideur flamande parce que c'est un arbre qui est très difficile si on n'arrose pas autant qu'une Macintosh. C'est un arbre qui est très difficile à faire arriver, euh, donner de beaux fruits. C'est un bel arbre, euh, mais les feuilles sont rarement beaux et les fruits sont particulièrement rarement beaux. Mais là, on voit le contexte où l'arbre était placé. Ça devient un élément structurant. Là, là C'est un, un jardin là, très, euh, très soigné, mais on peut avoir des arbres fruitiers dans un... Des fois, les gens disent, ouais, mais des arbres fruitiers, ce n'est pas, euh, pas assez beau à mettre dans mon paysage. Mais si vous mettez ça comme ça en espalier, je peux vous dire que c'est de toute beauté. Ça, c'est mon, mon plus beau poirier dans le sens qu'il est... Euh, tout le monde a un arbre favori ou un... <laughs> tout le monde a un arbre que vous êtes le plus fier, disons. Mais ça, c'est euh, un poirier qui, dans le sens de travail, une fois formé, et ça pour le poirier, à l'exception du pommier. Ça, c'est vraiment la règle. Pommier, on veut des branches qui sont sous l'horizontale. Le plus possible, on veut que les branches descendent et aillent sous l'horizontale. Si c'était pommier, là, on veut qu'ils fassent ça. Poirier, ce n'est pas ça du tout. On veut qu'ils soient comme ils sont là. On veut vraiment une branche qui est à l'horizontale le plus possible. Il y en a quelques-unes qui remontent un peu et ça, c'est correct. Et la tête... Je l'ai rabattu. Là, ça, c'est un arbre qui allait beaucoup plus haut. J'ai attendu qu'il soit fruit. J'ai choisi une branche qui, qui était quasiment le plus possible à l'horizontale. Et j'ai coupé. Il y avait peut-être le tiers de l'arbre qui montait au-dessus de ce point-là parce que c'était des, des fouettes. J'ai coupé et là, on voit qu'il n'est pas parti en fou. Pourquoi il n'est pas parti en fou? Parce qu'il était complètement en fruit. Et ça, c'est un peu le truc, c'est que vous pouvez ramener un arbre, mais attendez qu'il soit à fruit, parce que le fruit, c'est le frein, pas la pédale de gaz. Là. Alors, quand j'ai coupé là, cette branche-là prend tout le jus, tout ça va être à fruit, puis pas loin derrière, il y a trois branches ici qui sont complètement à fruit. Donc, ça, c'est un peu le, ce qu'on vise avec un poirier. C'est un peu le système de l'espalier. Mais sans fil. Donc, on peut former des branches pour être à l'horizontale, pas sous l'horizontale, parce que je peux vous montrer le problème de sous l'horizontale. Alors, celui-là, c'est juste pour vous montrer. Euh, j'ai fait la gaffe. Moi, j'étais bien excité par les idées de, de Jean-Marie Lespinasse. J'ai dit Ah, il faut plier les arbres. Alors, j'ai tout plié, pour rien inclus. Et là, on voit parce que l'arbre était très jeune. J'ai plié les branches ici sous l'horizontale, comme j'ai fait pour le pommier. Et là, l'année d'après, j'ai dit, mais je pensais que si je plie, j'arrête les gourmands ou les réitérations. Mais eux, là, ils ont fait, vous voyez, ça, c'est la branche pliée. Et wow, ils ont envoyé des grosses réitérations. Celle-là pliée, wow, une grosse réitération. L'autre plié, des grosses réitérations. Alors là, je dis Qu'est-ce qui arrive? Il fallait que je retourne au, <laughs> au livre. J'ai pris le chapitre Poirier, puis il a dit Sauf, <laughs> ça marche plié sous l'horizontale, sauf le Poirier. Alors, c'est vraiment le point à se rappeler. Différence. Sinon, pour bien des autres choses, on peut faire la même chose Poirier que Pommier sauf ne pas plier les branches sous l'horizontale. S'il plie naturellement par une charge de fruits, c'est correct. Mais vous, ne pas le plier sous l'horizontale. On voit ici la tête. La tête remonte un peu et replie beaucoup sous l'horizontale. Ça, c'est correct. Ça, c'est juste parce que sous la charge de fruits, les fruits vont baisser les branches. Alors, souvent, un vieux poirier, on va voir des grandes arcures comme ça et c'est normal. Euh, ça, c'était qui, ça? Fred. Et là, on voit, c'est quand même un jeune poirier. Ça, ça c'est jeune avec des grosses croissances chaque année. Là. On voit que les, les, la croissance, c'est vigoureux, ça, ici, là, des pousses de l'année. Alors, un arbre comme ça, là, ça, c'est pas pire comme angle déjà. Vous pouvez prendre les branches et les recourber. Comme je dis, pas sous l'horizontale. À l'horizontale ou un petit peu au-dessus de l'horizontale, c'est parfait pour le poirier. Et, et c'est tout. Mais vraiment, y intervenir au minimum. Moi, je suis vraiment pour former au lieu de tailler. Euh, c'est comme il disait serrez vos sécateurs parce qu'on pense intervenir. Il faut faire la coupe. Chaque fois que vous coupez, vous stimulez l'arbre. Faut... Des fois, on peut facilement retarder l'arbre de un ou deux ans avant qu'il produise. On veut qu'ils produisent le plus tôt possible pour, pour tu vois ici, là, tu as déjà des structures qui vont commencer à faire des fleurs, mais il faut qu'ils en fassent, là, pour ralentir cet arbre-là. Alors, c'est vraiment l'idée de replier. Là, on a un peu une compétition entre un peu trois têtes. Là, je ne vois pas par, par où le vent il vient. Et ceux-là, ils seront encore pliables. Oui. oui. Alors, ceux-là se plient encore. Celui-là, euh, non, je j'essaierais pas de plier le gros. Mais donc, même si l'arbre, des fois, il fait une courbe, là, euh, on n'est pas... Euh... C'est pas un deux par 4 là. Non, c'est ça. ça... <laughs> un arbre, c'est pas toujours tout droit. Surtout un arbre, un arbre en forêt, souvent, il va pousser tout droit parce qu'il faut aller le plus vite, le plus haut possible. Mais quand l'arbre est en plein soleil comme ça, il, il peut faire des détours. Ce n'est pas la fin du monde. Alors, former, il y a une branche dans le bas, former ceux-là un peu. Idéalement, former ceux-là et ici, choisir lequel va être la tête. Et là, je ne sais pas, si le vent il vient d'ici, là, si votre vent il est de là, ben moi, je garderais celui-là. Parce que cette branche-là, avec du vent, va faire ça, et une fois à fruit, il va faire ça. Et ceux-là, c'est facile, on les replie, boum, un, deux, pas sous l'horizontale, un et deux. Ceux-là, on les replie, Oups, autant qu'on peut. Et ceux-là, juste recourbé. Et c'est fini. On n'a même pas à intervenir avec la taille. La taille le moins possible, le moins possible. Si une branche est à 45 degrés, je dois couper ou non, bien, ça dépend de l'âge de la branche. Vous voyez qu'il y en a là-dedans qui sont. Ça, c'est plus que beaucoup plus que 45 degrés, mais il n'y a aucun problème, on peut plier ça. Mais si la branche est pu, elle ne peut plus être pliée, bien là, dans ce temps-là, moi j'interviens directement au tronc. Parce que si vous coupez une branche que vous ne pouvez pas plier, puis elle est remontante, puis vous coupez ça ici, là, bien là, vous allez avoir un, deux, trois. Et là, vous commencez la guerre des gourmands. Oubliez ça. La guerre des gourmands, ce n'est pas réglé au bout, c'est réglé au tronc. Alors, moi, je, quand je regarde un arbre, je me fous de cette année. La plupart du temps, là, regarde, s'il faut faire des correctifs, on corrige. Parce que je regarde toujours mon arbre. Je veux un arbre super facile et simple dans cinq ans. Alors, si j'ai à faire des corrections, j'ai enlevé des grosses branches, je le fais. Je sacrifie cette année. Il va quand même faire des fruits. J'ai un voisin qui, qui m'a demandé de faire son gros, gros pommier. On a rentré. Ça nous a pris à deux, ça nous a pris une heure. C'était un gros pommier qui n'avait jamais été taillé. Je lui ai demandé comment a été ton arbre. Il dit. Il dit, j'ai jamais vu autant de pommes dans ce tableau. là Il dit, on, on, il fallait tomber, il fallait ramasser avant de pouvoir tomber parce qu'il dit, on ne pouvait même pas passer sur la quantité de pommes qu'il y avait là. Mais c'est ça, si on, on dégage, puis si on ne pouvait pas tout faire dans une année, mais déjà, ça fait une grosse différence. Elisanne, est-ce que tu es là, Elisanne? Oui, je suis là. OK. Alors, ton, ton gros poirier, tu vois qu'il n'a probablement jamais été touché. Non, effectivement. Alors, ça, on voit bien dans ce cas-là que la forme naturelle, elle est là. Et j'imagine que là, il, est, il semble, il est à fruit ou il va, il va fleurir. Il est déjà en fruit, beaucoup. Il fait une abondance de fruits, mais c'est des petits fruits de petit calibre. Donc, euh, c'est sûr que... Oui, ça fait quelques années déjà qu'il est enfoui. OK. Donc, tu as un autre poirier sur le terrain ou tout près? Oui, chez les voisins. OK. Alors, ça, juste pour, pour ceux qui se demandent, là, pollinisation, ça ne veut pas dire que vous, vous devez avoir un autre. Ça peut être le voisin. Mais réalisez que si votre voisin change puis décide de couper tous ses poiriers, vous, ça se peut que pendant 3-4 ans, vous n'ayez pas de fruits parce qu'il n'y a plus d'autres poiriers. Alors, pensez toujours, pollinisation, pour moi, c'est 300 mètres, c'est limite. Là. Mm -hmm. 300 mètres, ça fait loin pour un abeille de trouver ces deux arbres-là la même journée pendant que le pollen est viable. Ça va si c'est proche, ça va. Et la raison qu'il y a des petits fruits, c'est tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu de taille. Donc, il y a surcharge de, de fleurs. Il y a vraiment toutes les fleurs et plus qu'il y a besoin. Alors, mmh. pour celui-là, moi, je regarde un arbre comme ça, là. tout ce que je regarde, c'est ici, le tronc. Okay. Je ne regarde pas là. Je ne coupe pas là. Je ne coupe pas ici. Je coupe au tronc. Et mmh. la façon que je sélectionne, c'est je regarde. Tu vois la branche de gauche ici? Elle est mmh. juste un peu au-dessus de l'horizontale. Ça, c'est une belle branche. Même chose ce côté-là. Ça, c'est une belle branche. Je favorise ça. Euh, plus loin ici, ça, c'est pas si mal. C'est quand même à peu près à 45 degrés. Mais là, j'en vois d'autres. Mmh. Ça, ça monte vers le ciel. Mmh. Mmh. Ça, C'est une branche basse, mais vraiment qui monte. Hic. Euh, mmh. Il y en a beaucoup qui sont très remontants. Alors, ce que je fais, c'est que je, je sélectionnerai, parce qu'il y a une limite combien qu'on peut couper. L'idéal, c'est pas dépasser un tiers du volume. Ça ne veut pas dire un tiers des branches, ça veut dire un tiers du volume. Si c'est une grosse branche, parfois une grosse branche est l'équivalent du tiers du volume de l'arbre. Alors, on se permet une coupe. Cette année, c'est tout. Et mmh. on vise qu'est-ce que je peux couper l'an prochain. Malgré que cela là il est bas, j'hésiterais parce que c'est dans le bas. J'irai plutôt pour un plus haut qui est vraiment remontant et j'enlèverais une, deux, peut-être trois branches qui sont remontantes et c'est tout. Trois coupes et j'ai fini. Je ne touche pas. À moins que j'ai des branches mortes, c'est sûr. Mortes, c'est jamais une taille. N'oubliez pas, là, mmh. quand vous faites. Vous enlevez des branches mortes, c'est très bon, mais ne considérez pas que j'ai fait de la taille, c'est-à-dire que ça ne compte pas dans le volume. Vous pouvez enlever la moitié des branches qui sont toutes mortes, vous n'avez pas commencé la taille. Okay? Ça ne compte pas dans, le, dans la quantité de branches qui sont le volume. Parfois, ils peuvent ombrager beaucoup, mais ils ne changent rien en termes de la quantité de sève qui circule. Alors, un arbre comme ça, laissé ou abandonné, moi, je me concentre seulement au tronc et je vais couper première fois les branches les plus remontantes. Alors, c'est toujours ça. Ceux qui sont le plus remontants, je les enlève. Deuxième année, il me reste des moins remontantes. Mais là, si je suis encore en surplus de branches, et pour ça, je vous dirais, allez voir la vidéo de l'an passé, j'ai repassé le. Les trois principes, là, les, faire la, la cheminée, choisir 12 à 15 branches, puis faire l'éclaircissage à la fin. Là. Allez voir ça. C'est les mêmes règles qui s'appliquent pour Poirier. Pour celle-là, oui, la cheminée aiderait parce que là, on pourrait voir mieux s'il y avait une cheminée de fête. Et, mais après ça, je choisirais les branches les plus remontantes, puis viser sur deux ou trois ans. Essayez pas de changer un arbre où on change, la, parce que là, on parle de l'architecture, on parle de l'angle des branches au complet pour arriver un peu à ce que je vous ai montré dans mes arbres avec des branches qui sont vraiment à l'horizontale, qui sont chères, qui, qui font même plus de gourmands, ils font presque plus de branches, c'est que des fruits qui vont faire. Parce que finalement, à chaque fois que vous avez des grosses pousses de branches, c'est des fruits qui sont perdus. Si vous coupez une branche. Vous dites, oui, mais ça fait partie de la taille. Mais est-ce qu'on doit faire de la taille si votre arbre est bien positionné, puis est complètement mis à fruit, bien, vous n'avez pas de nouvelles branches ou de repousses à enlever. Ouais. Je me concentre toujours au tronc. J'oublie, c'est comme mettre les, 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 les bandeaux sur les yeux. Je ne regarde pas ici. Ça, là, okay. ça ne me dérange pas parce que dès que vous faites une, deux, trois coupes ici, c'est fini vous avez déjà beaucoup changé votre arbre. Alors, regarde l'angle, mesure-le si tu veux, puis essaie d'enlever euh, plus haut avant d'intervenir ici. Celui-là, okay. j'avoue que peut-être il y a manière de faire une coupe en, comment on appelait ça, bench cut. Il y a peut-être manière de faire une coupe ici. J'aime pas beaucoup les faire comme ça, pour garder cette branche-là ici qui remonte, là, ça, ça va presque garantir qu'ici, il va y avoir des repousses. Et moi, les repousses, je suis allergique aux repousses. Si je sais que la coupe que je vais faire, ça va créer des repousses, ça veut dire que l'année prochaine, je dois venir puis refaire. Moi, j'aime ça faire une, une taille où l'année prochaine, c'est pas nécessaire. Je peux l'oublier, je peux passer. Euh, je n'ai pas obligé de faire à chaque année quand je me concentre sur la, la forme et la structure de l'arbre. Richard, avais-tu des points sur ces deux-là? Ça rejoint, ça, rejoint, euh, ça rejoint la même chose. Euh, quand on voit qu'un arbre qui est très, très, très vigoureux, il faut se demander, il faut se parler de la pollinisation. Des fois, c'est bien pollinisé, mais il ne rend pas ses si fruits à temps parce qu'il y a des insectes aussi qui font tomber tous les fruits. Euh, donc, euh, je voyais un arbre qui était très, très, très vigoureux. La bonne nouvelle, c'est qu'il bon, il semble bien heureux, mais il est trop heureux. Un arbre, il faut, faut lui donner un petit peu de misère. Faut pas... Un arbre qui est trop heureux ne fait... Fait, de... fait pas de fruits. Donc, c'était un arbre qui était très, très vigoureux. Okay. J'en ai un autre. Je peux vous le faire voir, celui-là. Marc-Étienne oui. Lefebvre. Oui. Ton arbre, il est vraiment beau. Ah, Beaux Merci. Parce que je regarde juste le, la structure des branches. Là. Euh... Je l'ai arqué un peu là, les deux derniers étés. Oui, il, il est bien structuré. Je regarde un arbre, là. moi je, je pars du bas, je regarde le haut, je redescends et, et c'est tout. Ça, ça me dit pas mal tout ce que j'ai besoin de savoir. C'est sûr que si je regarde, puis il y a quelque chose qui ne semble pas aller. Des fois, c'est que si on a euh, zigoté avec des branches au bout, là, ça, ça cause des problèmes, ça cause des déséquilibres. Mais ici, là, si tout semble beau, et ce qui arrive, c'est que tu l'as formé, tu n'as presque pas enlevé de branches, c'est ça? Oui, j'en ai enlevé euh, deux, trois dans le bas. Oui. Alors, tu vois, ceux-là, -là, c'est excellent. Là. Ces, ces branches-là, ça, c'est vraiment des beaux angles. Et avec ça, là, tu vas voir que tu n'as pas rien à toucher. La, la branche est déjà placée. Elle va faire, elle, une fois qu'elle va être complètement mise à fruit, là, elle va baisser par elle-même sans aucun problème. Euh, ce que tu peux faire ici, c'est peut-être retourne à, à la formation de l'année passée pour voir comment faire la cheminée. Puis tu dégrages les, tout ce qui n'est pas une branche du tronc mais qui est moi je pars avec un rayon de 6 pouces c'est-à-dire 15 cm du tronc j'enlève ça j'enlève ça j'enlève tout ce qui n'est pas une, une branche qui va à l'horizontale j'enlève tout ça et là je compte les branches là je dirais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 21, 22, 23, 24. C'est à peu près normal. C'est à peu près 24 branches. À terme, quand ton arbre va être complètement mature, avec 12 à 15 branches, tu n'as pas besoin de plus. Alors, tu peux tout simplement commencer à sélectionner. Euh, C'est encore pas trop tard de faire des, quelques formations s'il faut. Tu as une branche ici, je ne suis pas sûr exact de l'arbre, de l'angle parce qu'on le voit un peu moins bien, mais ça, ça semble être à moins que c'est un arbre derrière. Euh, oui, je pense qu'elle a été greffée, c'est pour ça que l'angle, il, il change. Ah, OK, c'est vrai, tu as, as des greffes. Euh, un point, là, quand tu greffes un arbre, euh, si tu connais la vigueur de, du, du sillon que tu greffes, là, ça, c'était euh, lui, il greffait des 25-30 cultivars. Sur un arbre. Puis tout ce qu'il faisait, c'est que plus le cultivar ou le sillon il était vigoureux, plus qu'il le mettait bas. Pourquoi? Parce qu'il est ombragé. Puis quand il arrivait dans le haut, là, il y avait plein soleil, il mettait les, les sillons ou les cultivars qui étaient très peu vigoureux, il leur donnait plein soleil dans le haut. Et là, comme ça, il ajustait la croissance, puis tout son arbre poussait égal, si tu veux. Oui, ça c'est correct. Ça veut dire que là, tu, tu vas juste augmenter tes chances d'une bonne pollinisation avec un arbre. Tu peux quand même le former un peu, à moins que tu veux que tu aies un peu euh, deux têtes à long terme. Là. Euh, mais non, ça c'est très, très bien parti. Ça, euh, écoute, t t as à choisir quel, tu as choisi, tu veux savoir, c'est difficile des fois à savoir d'ici avec cet angle-là. Euh, mais moi, je regarde juste l'angle de la branche. Si l'angle est trop remontant et la branche ne se plie pas, ben je l'enlève. Si la branche est au-dessus d'une autre qui est dans le même angle, c'est-à-dire la même orientation, ben j'enlève je celle qui est au-dessus. Je favorise toujours celles du bas qui sont les plus difficiles à repartir quand l'arbre commence à être grand parce qu'il y a beaucoup moins de soleil. Et le plus difficile du plus difficile, c'est le côté nord. Donc, si j'ai une branche, admettons, ton sud, je pense qu'il est là-bas. Euh, oui, le nord est en face. Là, finalement. Ce que tu vois, c'est le nord? Euh, oui, par où on regarde, okay. le nord est là. Alors, si tu as une branche de ce côté-là du tronc, là, qui fait face au nord, c'est la dernière que j'enlèverai. c'est-à-dire que parce que si je l'enlève, c'est la plus difficile à repartir parce que le tronc l'ombrage déjà et donc c'est plus difficile de réveiller un bourgeon latent. Le bourgeon latent, c'est toutes des bourgeons le long du tronc qui vont initier une nouvelle branche. Et sur le côté nord, parce qu'il voit déjà moins de lumière. Ce sont ceux qui sont les plus difficiles à, à régénérer. Alors, je les garde le plus longtemps possible parce que c'est le plus difficile. Une charpentière qui fait deux têtes, est-ce qu'on devrait éliminer une des deux pour laisser la sève à la plus vigoureuse? Une charpentière qui fait deux têtes, as-tu un ouais, exemple? Oui, bien, ouais, ben, la première en bas euh, qui va vers la droite. OK. Bien, ça, ce n'est pas deux têtes. C'est deux branches. Puis ça, non, je m'en fais pas du tout. Une qui est plus remontante que l'autre, n'oublie euh, pas, ils sont. Quand ils vont avoir des fruits, là, tu vas voir que la branche elle va baisser. La seule chose, quand ça, c'est pas un gourmand non plus, c'est à 45 degrés. Gourmand, là, ça veut dire qu'il monte. Gourmand, ça serait quelque chose qui partirait comme ça. Ça, c'est mm -hmm. gourmand. Quand il est comme ça, lui, là, bah, je m'en fais pas. Tu peux au, au plus, tu peux l'attacher, lui, puis l'arquer un peu pour qu'il soit, disons, dans ce format-là, puis c'est réglé. Mmh. Mais moins que tu as. Jean-Marie Laspinasse, il nous expliquait que finalement, tu veux comme ta main, tu veux avoir une branche avec. À, à terme, tu veux que la branche ait des branches. C'est vraiment magnifique dans le pommier. Poirier le fait un peu moins parce qu'il il se, il se met à faire des fruits. Pour ça, je voulais le montrer parce que c'est très bien parti. Mais moi, je rattendrais même, parce que c'est sûr que ces branches-là ne deviennent pas très ombragés Une fois qu'il va être à fruits, et comment tu sais que l'arbre a fini de faire ses. il a fini sa croissance? Parce que là, il est encore au stade juvénile. Même s'il fait quelques fleurs, il n'est pas encore au stade complètement adulte. Tu sais, quand, si ça, c'est le bout de ta, ton arbre, là, si tu es en fleur au bout, au bout, au bout de ton arbre, tu sais qu'il il est adulte. Parce que la, la pointe de la branche terminale fait des fleurs. Ça veut dire que cet arbre-là, même si c'était l'année, cette année qui va faire des fleurs-là, ce qui arrive, c'est que ça, c'est sa hauteur maximale. Il ne va pas dépasser cette hauteur-là. Même cette branche-là qui remonte à l'automne avec des fruits, déjà, elle va être comme ça. Ben, elle ne sera pas jusque-là. Elle va être jusque-là. Donc, déjà, là, elle aurait une hauteur moins haute que ce qu'elle a au printemps. Et l'année d'après, elle va baisser un peu plus et comme ça. Alors, juste sachez que si vous dites, ouais, mais elle est trop haute, elle va baisser. Elle va quand même baisser. Puis quand elle est complètement fruit, puis vous trouvez qu'elle est vraiment trop haute, mais regardez la hauteur. Okay, de là à là qui est en production, faites des tiers, un tiers, deux tiers, trois tiers. Vous pouvez garder deux tiers, puis enlever le tiers du haut. Ici, tout ce qu'on ferait, on choisit où est -ce il y a une branche comme celle-là qui est descendante. On coupe jusque-là. Et bon, ça, c'est la nouvelle taille, puis c'est fini là. Poirier, on peut le faire, mais seulement quand ils sont absolument en fruits. Sinon, vous allez vous retrouver avec 56 <laughs> broussins en haut, puis c'est jamais réglé là. Puis, si peux, vous ça, trouvez qu'il part ça, en fou comme ça, ça c'est que vous avez essayé de dire, bien moi, je vais le descendre de moitié. Bien non, de moitié, il prendra pas. L'arbre, il va vous le montrer. Non, 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 non. Je veux pas être... Je suis pas un bonsaï, là. Bonsaï, en passant, là, c'est taille des racines aussi, là. <laughs> Alors... Euh... Si je pourrais juste te rajouter une petite chose. Fais attention ta greffe de poirier asiatique. Elle va vouloir produire trop de poids. Elle va s'épuiser, puis elle va mourir à essayer de faire trop de poids. J'ai déjà une greffe d'un an qui m'a fait... Une... Pour le fun, tu sais, je... J'essaie toujours tout. J'avais greffé des poiriers asiatiques C'est un poirier européen. Puis, pour le fun, j'ai laissé une greffe produire après un an, puis elle m'a fait trois poires énormes. avec les poiriers asiatiques, tout ce qu'ils veulent, c'est tes parents, comment est-ce qu'ils veulent produire. Puis, au bout de deux, trois ans, ils sont épuisés, puis ils meurent. Donc, il faut vraiment, faut vraiment quand, tu fais, quand tu fais des greffes de poiriers asiatiques, dispose-les à un endroit. Où ils vont avoir du soleil parce que si le reste de ton arbre pousse puis ta, ta greffe de poirier asiatique ne pousse pas puis elle fait des fruits, ben elle va crever parce qu'elle n'aura plus de soleil. Tu sais. Elle, elle va être calmée. Là. Quand tu pas à tête, un poirier asiatique, on dirait que ça, veut, ça fait des poids. Je ne sais pas si vous l'avez, avez, M. <laughs> Stéphane, est, mais. C'est des machines à poire. Ça n'a pas de bon euh, sens. Le plus gros problème, il y a deux problèmes dans les poiriers asiatiques que j'ai. Euh, ils produisent tellement que la tête casse. J'ai plusieurs qu'ils ont cassé en deux parce que tout le haut, <laughs> il est trop petit encore, mais il y a tellement de fruits que lors d'un gros vent, paf, il casse. Et l'autre chose, j'ai remarqué, ils sont les plus sensibles au, à l'échaudage. Oh Attention, le bas de vos poiriers, s'ils sont exposés au soleil quand il y a le, la neige, là, ils vont, faire, ils vont faire, toute l'écorce va brûler, va échauder du côté sud-ouest. Donc, pour eux, là, euh, moi, je plante des arbustes au pied des arbres, mais même un arbuste, c'est pas assez pour les poiriers asiatiques. Il faudrait les peinturer blancs parce qu'ils sont tellement mmh. sensibles à l'échaudage. Donc, je pense qu'ils n'ont pas de neige ou ce qui pousse parce qu'ils ont à moins, à moins quand ils sont vieux et sont l'écorce ridée. Mais aussi longtemps que l'écorce est lisse, ils sont très sensibles. Ouais. Puis quand on parle de peinture blanche, c'est de la peinture à l'eau diluée 50 de la peinture à l'eau blanche diluée de 50 Puis on peinture le bas du tronc, peinture jusqu'aux premières charpentières. Ça que les dieux faisaient, puis ça a l'air que les jeunes font ça encore aujourd'hui. Bonjour, aussi. Stéphanie. Moi, j'ai des poiriers que j'ai pris en pépinière, que quand je les ai achetés, étaient déjà quand même assez gros. Puis finalement, je me rends compte qu'ils font peu de branches, où il y a comme des grands espacements entre les branches. Puis J'étais tentée de couper la tête pour favoriser plus de, plus de charpentières. Depuis combien de temps tu les as plantées? Hmm, quelques années quand même. Fait qu ils, ont, ils ont fait plusieurs grosses branches. Okay. Euh, plusieurs charpentières, mais elles sont comme toutes prises à la même place. Fait qu'il a fallu que j'en coupe. Euh, ça étrangler le tronc. Puis là, après ça, c'est comme, je ne sais pas, il y a presque un mètre presque entre les, les premières branches, puis les autres. C'est vraiment n'importe quoi. Là. Ça, c'est un, pensez-y bien. Quand vous, je sais que souvent la réaction, c'est qu'on va en pépinière et on voit, ah, regarde ceux-là, ils ont déjà des fleurs, ils vont déjà faire des fruits cette année. Ça, c'est un arbre qui a été forcé à, à faire des fruits. Ce n'est pas parce qu'il est vraiment assez vieux, il a été poussé. Et ce qui arrive, c'est que quand on le plante, l'arbre dit Bon, j'ai jamais fini ma jeunesse. Là, je vais repartir en fou faire ma jeunesse. Puis il va faire des, tellement de grosses poussées qu'ils vont faire des branches au bout de l'arrêt de la branche, de la pousse de l'année. Donc, ils vont faire une... quand ils font un mètre et demi de croissance, puis là, ils font quelques branches après, là, tu vas avoir une grosse partie dégarnée. OK? C'est ça que tu as eu, là. Euh, si vous êtes confronté à ça, il y a une stratégie qui va encourager des branches sur la grosse partie dégarnée c'est que vous prenez le tronc et vous le pliez, vous l'arquez. Il y a une technique qui s'appelait l'arcure-le-page. Où il prenait le tronc du poirier et le pliait. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer sur l'arcure, il va envoyer des dragons tout le long. Mmh. Et là, vous pouvez le replier ou vous pouvez laisser les arcures monter et vous l'arquez un côté une année, le drageon il monte. Tu sais, tu as, as comme une arcure, là tu as un drageon. Ben, L'année prochaine, ce que tu fais, c'est que tu arques le drageon de l'autre sens. <laughs> Puis tu peux okay. alterner. Euh, ça, c'est une façon de le faire pour que justement il fasse moins loin entre les nodes ou les, les ouais. jonctions de branches. Euh, mais ça, c'est... Moi, je suggère acheter les arbres les plus petits que vous pouvez presque trouver parce que l'arbre, il va s'établir, puis mm -hmm. là, il va se mettre à pousser selon son porte-greffe, le mélange porte-greffe, le cultivar greffé, puis il va pousser. Dans une forme plus naturelle. L'idéal, <laughs> c'est d'avoir un arbre que vous pouvez, euh, comme c'était qui, Marc-Étienne, je pense, tout à l'heure, justement que l'arbre n'a pas été taillé pour faire sa forme, mais prend sa forme plus naturelle. C'est à long ouais. terme, c'est un arbre tellement plus facile. Oui. J'ai appris depuis le temps, puis je fais mes propres, <laughs> mes propres semis, puis j'achète mes propres portes greffes, puis je. Par mes propres arbres maintenant, mais là j'en avais, avais deux trois comme ça qui étaient problématiques. Puis là, mettons que j'en ai un que je savais pas quoi faire, j'ai coupé la tête <laughs> fait, pour, pour favoriser ça. Là, évidemment, il m'a fait 15 000 gourmands. Euh, je les coupe tous euh, ou euh, non, c'est peine perdue. Non, tu coupes les pas toutes, c'est justement ça. Quand si tu fais ça. Dans ce temps-là, c'est surtout important que, bon, tu as un paquet, tu en as 5-6 qui partent. Il y en a qui sont vraiment remontants, mais il y en a qui déjà courbent un peu. Alors, ceux mm -hmm. qui courbent un peu, fais-les faire des branches. Parce que plus tu peux faire de branches à ce point-là, plus tu enlèves l'énergie au gourmand. Puis là, ouais. quand tu as deux ou trois placés presque à l'horizontale, là, tu peux couper le plus vigoureux. Il peut refaire un autre, mais il ne sera pas aussi haut parce que tu as déjà d'autres. C'est comme, tu sais, imagine, tu as un tuyau, mais le tuyau, là, il y a deux gros trous. Les deux gros trous, c'est les deux grosses branches. Mm -hmm. Puis là, tout ce qui reste, c'est le, le tuyau, il est moins gros, le là, rendu-là. Alors, c'est toujours d'essayer de répartir la sève le plus bas, le plus vite possible. Mm -hmm. Il y a une limite, là. Je veux dire, tu peux avoir des branches trop calées, puis là... Tu n'as plus d'espace, là. il y a trop d'ombrage. Mm -hmm. juste... Mais, mais, mais c'est parce que sur les branches en bas, je comprends comment je vais pouvoir récupérer celles d'en haut, mais celles d'en bas, qui, qui avaient déjà de l'allure, les grosses charpentières en bas, là, elles, elles ont aussi fait plusieurs, euh, plusieurs gourmands. Ceux-là, ouais. je vais les couper, par contre. OK. Je vais, je vais juste faire un partage d'écran parce que je vais pouvoir euh, dessiner là-dessus. Alors là, tu as ton arbre. Tu as coupé, tu as des broussins qui ont monté. Okay. Ceux-là, tu peux les former. Celui-là, tu peux le former peut-être. Puis là, éventuellement, tu coupes un, deux, trois ici. Oui. Okay. Un, deux, trois, tu les as coupés. OK. Ce qui te reste, c'est un peu, peu ceux-là. Mais tu as coupé une grosse branche ici qui t'a fait la même chose. C'est ça? Non, 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 même pas. C'est juste qu'en coupant la tête en haut, il y avait les grosses charpentières qui étaient en bas, qui, qui étaient bien là. OK, eux ont euh, parti. Elles, elles, elles m'ont fait plein de. Enfin, elles sont quand même euh, presque horizontales, assez longues, mais elles m'ont fait plein de gourmands. Oui. Dans ce temps-là, c'est ce que j'appelle dompter les gourmands. Et ça, ça va assez bien. Même mm -hmm. si ta branche était assez bien placée, mais parce que tout d'un coup, il y a eu un gros puits de lumière, ça a réveillé beaucoup de bourgeons latents. C'est ça? Exact. OK. Des chandelles. Alors, <laughs> alors ça, là, ceux, ceux qui ont resté jusqu'à maintenant, là, et vous êtes quand même assez nombreux, je vais vous donner le meilleur truc pour ça. Jean-Marie Lespinasse, il nous avait montré ça, puis j'ai dit, c'est génial, c'est tellement génial. Rappelez-vous qu'est-ce qu'il nous disait tout le temps Serrez vos sécateurs, OK Première des choses. Pourquoi serrer les sécateurs Parce que si vous avez vos sécateurs, vous allez les couper. Il dit non 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 non, on coupe pas ça. Ce que vous faites c'est que est-ce que vous me voyez là Vous avez oui. la branche comme ça, vous avez votre grosse branche puis là, vous avez la grosse branche avec les gourmands qui montent. Alors lui mm -hmm. ce qu'il disait vous prenez votre main, juste votre main, puis vous déposez la main sur le gourmand ou ce qui est attaché là, à la base, c'est-à-dire juste ici. Vous mm -hmm. mettez la main là et là, vous pliez un gourmand d'un côté. Là, vous allez le deuxième, vous le pliez de l'autre côté. Vous mettez la main dessus carrément là, paf, vous le cassez. Pourvu qu'il reste un tiers de l'écorce du gourmand. Il va se cicatriser, il va former. J'ai plein de branches dans le verger qui sont parties, surtout sur les poiriers qui, qui étaient des gourmands. Je les ai cassées. Donc, un à gauche, un à droite. Un à gauche, un à droite. Peut-être le tiers meurt. C'est correct. L'année prochaine, tu les coupes. Mais ceux mm -hmm. qui restent, ça veut dire qu'il y avait assez de lumière. Ça veut dire que cette branche-là était assez dégarnie. Puis là, tu vas avoir une branche ici, une branche là. Ben, pas comme ça, là. Ils vont être, ils vont être en descendant carrément. Alors, si tu, vas, si tu vas voir ta branche comme ça, au début, ils étaient remontants. Puis après, ils sont comme ça. Une à gauche, une à droite, une à gauche, une à droite, tout le long. Puis, au final, tu n'as plus ça. Tu as une branche comme ça. Puis, s'il y en a qui meurent, ah, tes enlèves, celle-là est morte, celle-là est morte. Mais ce qui reste, là c'est des branches à l'horizontale ouais. sur une branche, puis tu as complètement dompté tes gourmands. c'est Excellent. Ça, là, quand j'ai vu ça, j'ai dit « waouh C'est sûr qu'il y a des fois, un gourmand de trois ans, tu ne fais plus ça. Là. Il faut le faire l'année. Voilà. Trois ouais. ans, là il n'est plus domptable. C'est je... un est -ce étalon, je puis... <laughs> il a ouais, ses propres oui, idées. Que, que là, mais là, je peux, Si, si c'était des gourmandes de cette année, là, je vais pouvoir les faire. Euh, Est-ce que j'attends que la sève ait montée pour faire ça pour que la branche soit flexible non. quand même? Poirier, non, il est, Poirier est quand même. Ouais, Poirier est un peu l'exception. Il se plie mm -hmm. assez bien. Même moi, je fais le j'arc les branches euh, au, au printemps quand je taille ou à la fin de l'hiver. Puis il reste okay. assez flexible. Pas mieux, il va casser. Si tu essaies ça à ce temps-ci de l'année, il va casser. Mais Poirier, il est... Poirier et Favier sont assez flexibles. Je peux les former n'importe quand. Super. Je vais le faire, si... Stéphane, puis je vais t'envoyer des photos. Merci. Okay. Même... Même si le gourmand fait, mettons, cinq pieds de longueur, on pourrait le recourber comme ça? S'il est encore pliable, oui. Okay. Des fois, j'ai déjà pris des gros. Là, vraiment. Des fois, tu dis, c'est le seul, il est gros. Puis je le sais que si je le coupe, j'aurai à recouper l'année d'après. Alors, dans ce cas-là, ce que je fais, bon, j'ai un, un gourmand, mais il est gros. Là. Il est gros, puis il est mal placé. Puis si je coupe, j'arrête pas de couper. Alors, moi, là, je, suis, je suis allergique au gourmand. Donc, ce que je fais, c'est que je vais prendre la scie puis je vais faire un trait pour enlever à peu près la moitié. Euh, des fois, je vais même faire, bon, pour montrer ça plus proche, là, je vais même enlever un petit, tu sais, comme ça. Une peinture. Une partie, oui, une peinture. Comme A ça, hinge. quand je plie, ouais. lui, il va plier. Il ne va, il va pas aimer ça, mais il va plier sans casser ici. Parce que la peinture. A fait qu'il n'y a pas eu trop de pression. Même s'il n'est pas plat, puis il est à, à 30 degrés, mais il est déjà réglé. Là. Une fois qu'il est sous 45, là, il est vraiment calmé. Puis le fait que la moitié du, de l'écorce est coupée il ne partira jamais en fou. En tout cas, c'est des, des stratégies, ce n'est pas réglé. Je dire, quand on a des gourmands, souvent c'est un symptôme que on a une branche qui est trop remontante ou, dans ce cas-là, qui a eu une trop grosse coupe faite au-dessus. Mais on mm -hmm. peut, dans ce cas-là, c'est réglable. Réglez-les, puis il est fini. Là. Est, moi, l'idée que si j'ai à traiter un gourmand, je le traite une fois. Si j'ai à le traiter deux fois, c'est moi qui étais le gourmand. Là. Je dis, je me suis fait prendre. Alors, okay. euh, visez toujours de traiter okay. un gourmand juste une fois. C'est magnifique ce que je viens d'entendre. Tu viens de répondre à quelque chose là, de, de je capote. Merci beaucoup. Merci pour ta question, fait. Rappelle-toi suis... que le truc s'appelle dompter les gourmands. C'est ça qu'il disait. Ah. Dompter. Ah. C'est comme embarquer à cheval dessus. un petit gars d'un magasin de bonbons. Ouais, dit, je, laisse, <laughs> je laisse le. le... Je te laisse avec Ginette. Merci Stéphane. Je les ai vus opérer. Ils sont rentrés dans un verger du sud-ouest du Québec. Puis euh, il nous a montré un arbre là, qui était. Tu sais, mais quand tu dis l'arbre, c'est que des gourmands là. Okay? Puis on s'est dit, mais qu'est-ce que tu ferais là Ah, il dit c'est simple. Regarde, il embarque parce que c'était déjà des grosses branches, donc il a pu monter dans l'arbre. Puis tout ce qu'il faisait, c'est que c'est comme. C'est comme s'il faisait des pas sur la branche, puis il pliait chaque gourmand. Puis il a dit Ça, là, dans une année, c'est réglé. Oui, le tiers des branches vont mourir, tes coupes. Mais l'année prochaine, tes, tes branches qui ont été des gourmands, ils vont déjà, parce qu'ils sont à plat, ils vont faire que des bourgeons à fruits. Puis la an troisième année, ça va être chargé de fruits. C'était, mais voyons donc, on, parce que sinon, c'est quoi la, la solution? Couper, couper, couper. Bien, on règle rien à couper des gourmands. On ne règle jamais rien. Il faut les dompter, sinon, c'est nous qui se faisons prendre pour des gourmands. Euh, Ginette. Oui. Ton petit poirier. Alors, ça, c'est. Y as-tu brisé, cest tu pour ça? Ou pourquoi qui est aussi ouvert? Parce qu'il a vraiment produit beaucoup. Je les ai un peu laissés dessus, parce que c'est la première année vraiment qu'il produisait. OK. Mais la plus haute branche, qui devrait être la tête, est, est moins vigoureuse que, que la variété en dessous. C'est un 4 en 1. Dans ce cas-là, donc, si lui, ça, c est, il est greffé, c'est un cultivar, c'est ça? Oui, oui. Celui derrière, c'est un autre disons trois, là, je vois trois facilement. Le quatrième, je ne sais pas où ce qui est. Mais moi, ce que je ferais, c'est un peu le, ce que je vous ai montré, l'espalier. Le, C'est-à-dire que je laisserais monter un peu là, et là, je favorise qu'il monte. Un là. L'autre, il ne va pas être dans l'axe. Ça ne sera pas un axe. Ils vont être décalés un peu. Ce n'est pas la technique vase. Vase, ça veut dire qu'ils sortent. Là. Mais c'est un tronc Trois, trois mini-branches, puis ensuite trois troncs. C'est ça que je vise. Alors, lui, dev... lui, je le laisse monter droit, puis lui, la même chose. Il s'en vient là, puis il semble avoir un qui deviendrait le tronc. Alors, j'aurais trois troncs. Chacun, je traiterai comme un poirier et je ferai des cheminées sur chacun. Et les branches qui sortiront à terme, là, mais je favorise les branches vers l'extérieur et, et c'est tout. Moi, les quatre en un, je les traiterai comme ça. Parce qu'on ne peut pas faire un axe quand on a quatre, à moins de dire que chacun devienne branche. Et il faut, parce que si l'arbre, lui, ne sait pas décider qui est le boss, l'arbre va décider c'est qui le boss, ce n'est pas vous. Puis, vous, 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 vous décidiez, garde. C'est comme ça, mais il y a un moment donné que nous, le choix qu'on fait, peut-être le cultivar que tu choisirais comme tête, c'est le moins vigoureux. Puis les autres disent non, 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 c'est moi le boss, c'est moi qui monte. Puis là, c'est un combat continuel. Alors, quand vous faites trois ou quatre, que chacun, c'est un tronc, vous le laissez monter droit, puis sur lui, il va faire des branches. Alors là, c'est réglé. Chacun est content. Parce qu'ils sont espacés d'une distance, puis ça va. Avec Poirier, on peut faire ça. Et il y en a qui ont proposé que pour le Poirier, c'est peut-être aussi une raison que des fois, des poiriers, ils font comme ils partent, puis bientôt on voit comme trois, quatre troncs qui montent. Mais le poirier, c'est sensible à la brûlure bactérienne qui peut tuer un tronc complet. Donc, si on a juste un tronc, puis il est mort, Bien, moi, j'en ai eu. Là. Je, je l'ai coupé juste au-dessus du point de greffe, puis là, il repart au complet. Mais s'il si faisait trois troncs, et là, j'en ai qui font trois troncs, et si j'ai le, le feu bactérien qui part, mais je peux couper un, mais il en reste deux. Alors, c'est un peu. Une... On dirait que la poirier, c'est pas la première fois qu'il voit ça. <laughs> c'est juste des stratégies possibles. Mais le 4 en 1, faites quatre troncs avec. Puis il va être correct. Il y a une petite question, Bianca, qui dit, est-ce que ça va rendre les troncs plus faibles en faisant L? Tu sais, quand tu dis, là, tu, sais, tu, tu prends, la, tu prends la, la greffe, puis tu, tu, après ça, tu choisis une tête. Est-ce que ça pose la question, est-ce que ça va... Oui, rendre... c'est ça par rapport à la neige. Euh, tu sais, Si la neige s'accumule ou autre, est-ce que ça va avoir tendance à le rendre plus fragile? ou Pas vraiment, à long... Parce que moi, je, encore là, pensez long terme. Un poirier, c'est facile de vivre 50 ou 100 ans. Alors, quand il va être 10 cm de diamètre, ce tronc-là, ce n'est pas un petit peu de neige qui, qui va le déranger. C'est oui, les premières années, mais il n'est pas vraiment plus faible. Poirier, ça peut être assez vigoureux. Euh, S'il brise, il va se reconstruire. Ce ne sera pas vraiment tellement long. Toi, Richard, moi, je ne connais pas les poiriers de Mandchourie. Euh, J'ai eu quelques-uns de euh, Bernie Nicolai à Edmonton. Il m'en a envoyé. J'en ai, craçu, je pense, Crasulaya, mais c'est juste des, des greffons qui poussent. On commence à les greffer, nous autres aussi. OK. Non, je pas d'expérience. De, moi, je le traiterais pareil comme le, prunier, le poirier européen. Je veux dire, un poirier, c'est un poirier, c'est un pyrus, c'est pas un prunus, c'est pas un pommier. Euh, je le traiterais, je le conduirai de la même façon. Parce que moi, j'ai des poiriers euh, usurians, puis j'ai des poiriers européens, puis j'ai des poiriers asiatiques. Je conduis tous les poiriers de la même façon. Poirier asiatique, euh, c'est pas compliqué. Hein? Les branches avec la charge, ils plient seuls, il n'y a rien à faire. <laughs> Ça fait juste des fruits. Sauf on que j'en ai, ai rien qu'un de sorte, là, J'ai juste la Taylor. Ouais. Les autres, ils ont, ont ouais. toutes flanché. Euh, il y a, a la peu... brûlure bactérienne aussi qui est allante avec ça. Il faut vraiment suivre. Avec les poiriers asiatiques. Il est l'heure, mais je voulais que tu parles, Richard, du du, euh... du collectif 21. Peux-tu faire un, un cinq minutes là-dessus, résumer Parce que l'idée, quand on s'est parlé cet après-midi ou ce matin, c'était que. Si ça peut inspirer des gens qui sont dans des endroits où hey, la communauté ou la, 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 la ville ou la, ça peut en initier, ça serait excellent. Alors vas-y. Collectif 21, Stéphane a donné ses objectifs de développer des, des vergers en permaculture. Le, le, le collectif 21, c'est vraiment quelque de communautaire. C'est un projet communautaire. Collectif. Notre projet, c'est vraiment démocratiser, faire la promotion de l'agriculture urbaine. S'il y en a qui se demandent pourquoi je gère Fruitier Québec, puis pourquoi je prends autant. De... Puis tu sais, on a 26 000 membres, Stéphane, dans Fruitier Québec, puis, euh, puis, puis j'ai fondé aussi le Regroupement des Jardins Solidaires du Québec. Puis on, on fournit des surplus de plantes pour les OBNL qui s'occupent de solidarité alimentaire. Notre projet, c'est vraiment de développer un jardin laboratoire. Puis d'ailleurs, ça a fonctionné parce que on a deux arcs, comme je t'ai dit. On a à peu près 28 000 pieds sous culture pour l'instant. Mais on occupe deux arcs qu'on qu qu remplit tranquillement. Boucherville et Varennes, ils nous consultent, puis euh, ils s'inspirent, puis sont drettes à côté d'où on est, ils veulent planter 350 arbres fruitiers avec tout ce qui vient avec, faire une forêt nourricière, puis c'est vraiment de l'agriculture périurbaine. Ça, c'est vraiment magnifique. À un des buts de ma retraite, c'est vraiment part... qu'on partage nos surplus de plantes puis de connaissances. Puis moi, c'est vraiment les jardins sol... solidaires partout dans chacune des communautés. Le but, c'est pas de produire des pommes pour le lac Saint-Jean, c'est que les communautés du lac Saint-Jean implantent des jardins solidaires avec un modèle collectif, c'est-à-dire que tout le monde jardine ensemble, puis on split ensemble. Mais on partage déjà une grande partie de nos récoltes, puis on est en démarrage, mais avec des organismes voués à la sécurité alimentaire. Puis ça, je rêve du jour où Longueuil, ou saint amable ou Verchères, ou Varennes, ou ben, Puis Matane, puis... Puis c'est en chemin, nous autres. Bon, puis... Que toutes les communautés, les gens veulent se reconnecter avec la nature, puis ça. Puis je pense que c'est une meilleure, c'est une magnifique façon de connecter des personnes âgées, des personnes, mettons, d'âge murmure, comme moi, euh, des jeunes aussi qui sont stressés puis qui vivent énormément d'anxiété. J'en vois de plus en plus, puis même avant la pandémie. On offre un milieu de ressourcement naturel, pas juste des aliments. Les jeunes qui y là, nous ont donné la permission d'ailleurs, c'est les jeunes du euh, Carrefour Jeunesse-Emploi avec euh, notre belle Caroline qui est, qui est l'intervenante jeunesse. Ça, c'est... Puis, puis euh, Charlotte, c'est des jeunes qui sont en réinsertion au travail. Puis les premières fois que je les voyais arriver, ils étaient comme ça puis stressés. Après une ou deux fois... Puis là... Ils allaient chercher des fruits, des légumes, leur dessert. Ah non, c'est pas grave, il y a des framboises, puis on est correct, puis on est en train de. de... C'est un milieu de vie, c'est vraiment ce que je veux bâtir, puis ça aide à faire des ponts entre nos personnes âgées, des résidences pour personnes âgées, les étudiants des écoles. On a aussi une maison qui s'occupe de santé mentale des personnes atteintes de schizophrénie, qui vont venir faire des ateliers. C'est vraiment de la thérapie. Euh, la thérapie nature, là. Puis on veut, on veut que les différentes écoles aient des potagers, puis tout ça. C'est un modèle qu'on veut développer, puis qu'on aimerait exporter, transpo, puis transposer, puis on aimerait que les échanges entre nos différents projets puissent se faire pour qu'on puisse se partager les végétaux. Fait que le collectif 21, c'est vraiment. Tiens, vous regardez, là, on plante euh, 5000 bulles d'ail à chaque année. Puis ça, Stéphane, quand on a planté l'ail, j'ai déjà des boutures. On a planté l'ail l'automne passé, puis j'ai mis déjà mes boutures de cassis, des boutures de vignes, tout ça, qui vont s'enraciner pendant que l'ail pousse, puis ça va ah être ouais. transformé en jardin de petits fruits et légumes vivaces. Puis il va y avoir des arbres à certains endroits stratégiques. Fait que tu vois, c'est une approche. On n'est pas une ferme comme toi, comme, comme, comme les fermes miracles, mais on a une approche très euh, harmonieuse avec la nature. Puis d'ailleurs, si vous verriez, tu sais, tout le tour, du... ce qu'on voit là-bas, c'est le fleuve. Tout le tour, là, c'est euh, du foin. Là. Ils font du foin pour les bestiaux. Puis, tout... il était pas supposé rien pousser là parce qu'il n'y a pas assez de sol. Puis, c'est de l'argile, puis c'est de la boîte, puis ça ne marchera jamais. <laughs> puis, si vous voyez les jardins, Stéphane, il faut que tu viennes voir ça. Euh, c'est magnifique ce qu'on est en train de faire, puis ce qui est en train de pousser là. Donc, euh, puis aussi, si vous voyez à quel point on fait ça pour la nature. Puis apprend ça, c'est-à-dire que la diversité biologique, les oiseaux, puis tout ça, c'est magnifique maintenant, tout ce qui vient. Puis on produit de la bouffe, puis on en a trop, puis on le partage. Donc, c'est vraiment notre projet au collectif. C'est un projet solidaire, c'est un projet communautaire solidaire. Puis on veut vraiment inspirer d'autres communautés. Fait que si des personnes de cette de la présentation qui qu regardent présentement en présentiel ou qui vont la voir en différé, ben, sont les bienvenus pour me contacter. Je suis Richard Dufour, je suis vice-président du collectif 21. Ça va me faire plaisir de vous accueillir, de faire des visites. On accueille d'autres jardins solidaires aussi, puis on partage aussi notre génétique. On, on partage des boutures. Là. Quand on coupe des cassis, ben, on a des branches de cassis. Une branche, c'est un arbuste. -ce comment on a que les gens de... pourraient être contactés? Le plus facile, ce serait d'aller sur la page du collectif 21. On a un site Web euh, sur le site web, il y a info à collective21.org. Okay. Euh, vous écrivez là, vous demandez pour Richard Dufour, puis ça va nous faire plaisir d'y répondre. Euh, puis je m'en occuperai, puis je vous ferai visiter, ça me fera plaisir. Donc, euh, c'est ce qui me motive à faire tout à faire ça. Je m'inspire beaucoup de toi, Stéphane. J'ai écouté ton film, j'aimerais que tu parles de ton film aussi. Je l'écoute au moins une fois par année. Pour moi, c'est un petit gars d'un magasin de bonbons. Fait si tu veux bien le mot de la fin, puis si tu veux parler aussi de ton film que je recommande à tout le monde. Il faut vraiment, Richard, que, que tu viennes me voir en matin. sur le projet de ferme citoyenne qui est en démarrage. On a débloqué un budget de 60 000 pour installer une serre commerciale cette année. On est en première année de production. On a un budget de 120 000 pour engager de la main-d'œuvre, pour jardiner là, pour la réinsertion au travail. C'est exactement le projet que tu viens d'expliquer, c'est exactement notre, notre vision. C'était à, à peu près 500 mètres de ma maison. Je te montrerai ça. Bon, ben c'est décidé, je m'en vais là avec ma conjointe. Ça nous a fait plaisir quand même. Là. Comme Richard disait, là, nous, c'était le, le verger permaculturel. C'est un film, mais c'est un mini cours finalement. C'est deux heures, comment on a fait pour établir le verger. Euh, qui soit quand même dès la base établi, euh, diversifié. Vous pouvez voir ça à vergerpermaculture.com. Allez là. Euh, là, puis c'est disponible. Je pense qu'il est 10 pour la version téléchargée. C'est vraiment pas dispendieux. Pour ce que vous avez, ça vous donne un grand départ. En passant, Richard et moi, on a tous les deux euh, des chaînes YouTube avec de plus en plus de vidéos qui s'ajoutent. Vous pourrez aller voir la, la présentation de l'année passée qui était sur pommiers. Alors, si vous dites Ah, mais ben moi, c'était vraiment une question, j'ai aussi des pommiers mais on a abordé pommiers à fond. Puis, peut-être l'année prochaine, Richard, on fera petits fruits parce qu'il y en a encore d'autres choses à dire sur petits fruits. L'idée, c'est de pouvoir avoir une ressource que Richard, justement, il peut Partager quand il y a, parce que des questions, il y en a. Et tu es un moine, Richard, parce que <laughs> la quantité de temps que tu dois passer à répondre à des questions, là, c'est incroyable. Là. Euh, moi, je, moi, je me sauve un peu des questions parce que sinon, je ne ferais pas rien d'autre. Et je sais c'est quoi, combien de temps que ça peut prendre. Et tu es super généreux. Tu dis tu es à retraite, mais tu travailles plus fort que quand tu travaillais, ça, c'est certain. Et. Euh, Là-dessus, tout le monde de, de ma part, de la part de Richard, on vous remercie d'avoir patienté. J'espère que ça vous a aidé, ça Merci vous a éclairé, vous. ça vous a influencé. Serrez vos sécateurs, sortez vos cordes et vos broches et formez vos arbres. Vous allez être plus content, les arbres vont être plus contents. La taille elle a évolué des années précédentes et évolué avec ça. Ici, si, oui, justement, il y en a qui ont mentionné. Ce livre-là, c'est un livre. Ce n'est pas un livre pour débutants, j'avoue. Ça assume que vous connaissez beaucoup de choses sur la taille. Euh, et d'ailleurs, j'ai vu que euh, mon cours de taille, qui est disponible en anglais, pruningcourse.com, vient d'être lancé sur le site de Gaia Formation en version traduite. Alors, c'est tout traduit. Euh, Peut-être j'ajouterai un lien là, dans les vidéos pour aller le voir. C'est très bien fait. La traduction est très bonne par une de mes stagiaires, Mélodie, qui est en France. Mais avoir un accent de français, c'est mieux que moi, l'accent québécois, surtout pour les Français. T'as-tu un dernier mot, Richard? J'aimerais souligner que Stéphane fait beaucoup de vidéos en français maintenant. Puis que toutes les vidéos de Stéphane en anglais maintenant sont disponibles avec sous-titres français. Ah oui. Donc, la chaîne, il ne faut pas avoir peur de la chaîne de Stéphane. C'est est une mine d'or. Puis, soit que vous l'avez en français directement ou vous avez les sous-titres en français si elle est en anglais. Donc, merci beaucoup tout le monde. Passez une belle fin merci. de semaine. Merci. Bonne fin de semaine. Puis on se revoit l'an prochain, Stéphane. Oui. On a une on a, on a date. Merci. Parfait. Au revoir tout le monde. Merci.